Salut, c'est Yanis Salibur. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu avec mon pote, on va parler un petit peu avec mon ami à propos des parcours, nos parcours personnels, un petit peu de l'actualité. Donc je vais vous le présenter, il va se présenter. Hatif Cheichou, formé en France, mais qui a fait toute sa carrière en Turquie et qui a arrêté il y a très peu de temps. J'espère que on va bien discuter Ouais. aujourd'hui. Ah, c'est cool. Donc, on va parler un petit peu de ton parcours. Un petit peu, on va se raconter un petit peu nos anecdotes aussi. Donc, dis-nous où est-ce que tu as commencé, comment ça s'est passé, quand tu as dû partir, comment ça s'est passé aussi, le regard des gens, tout ça, quoi. Bah moi, j'ai commencé dans ma ville, hein, Fontenay-aux-Roses, en 92. J'ai commencé jusqu'à 13 ans. J'ai joué là-bas. C'était mes meilleures années, frère. Ouais, c'est que entre poteaux, pas de stress, Ouais, c'est baisé tu pour vois. ça. Ah, c'était magnifique. Après, je suis parti à Antony. Antony, j'étais en PH Anthony. à l'époque. Après, d'Antony, je suis parti à Montrouge. C'était un. C'était coté à l'époque en plus. Ouais, Montrouge, c'était à côté. Mon russe, c'était coté, je me Ouais. rappelle. J'étais avec. À l'époque, il y avait Dembaba. Ouais, t'aimes voir. Demba, mais je jouais pas attaquant à ce Ouais. moment-là. Il était 6, Ouais. il était derrière moi. Longiligne. Il était machallah, il était derrière moi. Et après, je suis parti au Racing. Racing, j'ai commencé avec la 18 DH. Et après, je suis monté avec les 18 ans nationaux. J'ai fait un an au Racing. On avait fait un match contre Nancy à l'époque. Et j'ai marqué un but, un très très beau but, tu vois. Et l'entraîneur, il m'avait kiffé. Il m'avait dit, viens à Nancy l'année prochaine. Et j'ai signé à Nancy dans la foulée. Donc j'avais 18 ans. J'ai signé à Nancy. J'avais signé 2 ans. Mais finalement, j'ai fait que un an. J'ai fait que un an. Au bout d'un an, ils m'ont fait comprendre clairement que Jack, ils voulaient pas que je reste. Et pour eux, clairement, j'allais jamais être pro de ma vie, tu vois. Et c'était Pour eux. quel coach? C'était qui les coachs qui parlaient un peu comme ça, enfin, qui disaient ça? C'était plus les préparateurs physiques qui me disaient qu'entre guillemets, on faisait des tests physiques, et les tests Ouais, ça physiques, c'était relou ça. en fait, moi j'étais bon dans tout, genre dans l'endurance et tout, j'étais le meilleur, dans plein de choses, mais au niveau de la, tu vois, les tests de détente, je sais pas si tu as déjà fait, Ouais, lorsque je tu me rappelle, accroupis, je me tu rappelle. sautes, j'étais un des plus nuls. C'est-à-dire que même les moins de 13, ils avaient plus de force que moi dans les jambes, tu vois. En plus, à cette époque-là, c'était beaucoup de critères physiques, je me Ouais, c'est rappelle. ça en C'était un. fait. Tu vois, Ça, et en c'était fait, ils un. oubliaient le moi, c'était pas ma qualité première, c'était Mais peut-être pas de physique, mais tu je courais compensais. longtemps et techniquement, j'étais au-dessus, on va dire. Tu vois, j'étais bien techniquement, c'était toujours été ma force. Mais comme tu disais, à l'époque, ils regardaient beaucoup Ouais, surtout. le critère Ouais. physique. Tu vois? Je pense que ça a coupé les jambes à pas mal de joueurs à cette De époque-là. ouf. Bah, moi, je te dis surtout, à dire, quand à 18 ans, on te dit, ouais, tu seras jamais pro, il faut savoir l'encaisser, ça, frère. Tu vois? Surtout que moi, c'était que le foot, frère. C'est-à-dire que. J'ai jamais fait de bêtises, de conneries ou quoi que ce soit, tu vois. C'est-à-dire que moi, c'était foot, frère, tu vois. Donc c'était dur. Au bout d'un an, vas-y, tu fais un centre de formation. Mais en fait, je suis arrivé tard en centre de formation. Ah, c'est J'avais ça. 17 ans. Donc à 18 ans, je retourne chez mes parents. Très compliqué, frère. Tu sais, quand t'as vécu Ouais, un c'est an loin ça. de tes parents, tu vois, loin du bruit, loin des histoires, loin de. Ouais. Et tu reviens chez tes parents. Mais c'était plus dur pour toi, pour tes parents, ou pour un peu autour, tes potes et tout. Pour mes parents, ils étaient tristes, tu vois. Ouais. Ils étaient tristes, mais ils comprenaient pas encore à ce moment-là de quoi je voulais, de quoi je parlais en fait, d'être footballeur professionnel. Ils savaient même pas en vrai, tu vois ce que je veux dire? C'est que eux, ils me suivaient dans toute ma carrière. En tant que jeune, ils m'ont suivi, mais un peu de loin, tu vois. J'avais mes frères qui étaient derrière moi, mais mes parents, ils regardaient. Eux, ils voulaient juste pas que je fasse de bêtises, frérot. Et ils savaient que j'étais fort au foot, mais ils pensaient pas que j'allais faire Une carrière comme ça. potentiellement une carrière, tu vois. Donc je retourne chez mes parents, 18 ans, et là, je repars au Racing. Je reviens au Racing. Mais là, à ce moment-là, frérot, je suis passé en senior DH. C'est pas pareil. Je suis parti en senior, Ah, pardon. c'est pas Et pareil. à cette époque-là, la CFA, frère, c'était très dur. Île-de-France en Pff, plus. très, très dur. Mais j'ai 18 ans, mon corps, il n'est même pas encore Ouais. fini, frère. Tu vois, je viens d'un an de. Donc, je suis dans le groupe de la CFA, Ouais. mais je joue très peu. Ça veut dire que le week-end, quand je joue pas, le lendemain, je joue avec la DH. Ouais. Senior DH. La division la plus dure, frère. Senior DH, c'est la division la plus dure que j'ai faite de ma vie. Tu vas jouer dans des villes, frérot, il faut être costaud, frère. Tu vas jouer à Blanc-Mesnil, à Saint-Denis, tu vois. C'était très, très Bobigny dur. ça. Oh non, c'était très, très dur. Tu joues, bah, en fait, t'as 18-19 ans, tu vois.
mais tu joues contre des comme des hommes. Ouais, contre des hommes, réellement. Et eux, ils sont pas là pour rigoler, frère. Tu vois, eux, tu vas même pas commence même pas à leur faire un passe aux jambes. Ouais, je m'en rappelle. Tu vois, ils te, tu vois, ils te menacent direct. Donc non, c'était dur. La CR2A, c'était très très dur. Mais ça m'a formé. Ça m'a formé de ouf. Mentalement ou plus mentalement. Physiquement? Physiquement et mentalement, tu vois. Parce que j'étais confronté à, pas mal de choses, tu vois. Et ça m'a forgé, tu vois. Et un an, je jouais pas trop avec la CFA, tu vois. Et après, je décide d'aller à Noisy-le-Sec. Ouais, à Noisy-le-Sec. Noisy-le-Sec. À cette époque-là. Ouais. Mais c'est pas encore à cette époque-là qu'on joue la, contre toi. La toi, première fois. La première fois, non. La première fois, toi, c'est CFA 2 encore. Ouais. Toi, t'étais encore à... Moi, quand je joue contre toi, t'étais en CFA, tu vois. Et je dis, je joue à Noisy-le-Sec. J'avais mon cousin qui était là-bas. Il m'a dit, viens avec moi là-bas, tout ça. Et il y avait Nasser Sanjak. Nasser Sanjak, c'était... C'était un mec, tout de suite, il m'a mis dans les bonnes conditions, tu vois. Il m'a dit, viens chez moi, tu vas jouer, tout ça, tu vois. Donc, j'ai signé avec la CFA 2 à Noisy. Et j'ai fait toute l'année. J'ai fait toute l'année, frérot. T'as joué tous les matchs? Tous les matchs. Ouais, j'étais... J'ai dit, c'était mon daron, Nasser. Ouais, tu vois, et je jouais vraiment libéré, frère. Ça veut dire que je jouais vraiment hâtif, quoi. Je driblais, je perdais le ballon. Tu sais, c'était pas grave, t'avais aucun stress. J'étais vraiment, ouais. Aucune, aucune retenue, tu vois. Il me disait jamais rien, tu vois. Et Noisy, ça a été vraiment cette période-là qui a fait que je suis devenu vraiment psychologiquement et même physiquement un monstre. Parce que, frère, à Noisy, comment t'as fait physiquement. Ouais. Plus que les clubs pro, je pense, en plus. Frérot, c'était un truc de fou, je te jure. On avait un préparateur physique, Bambi. Je te jure, c'était un tueur. Il rigolait pas, frère. En fait, ils avaient pas le temps de rigoler, frère. Tu vois, c'était vraiment très, en plus, très dur. Des, ouais, ils voulaient des résultats directs, il n'y avait pas de... Non, en plus, c'est des clubs, ils veulent se maintenir. Tu vois, c'est vital pour eux, en plus. Et en plus, il y avait beaucoup de... À Noisy, ça qui était bien, c'est qu'il y avait beaucoup de joueurs dans mon profil. C'est-à-dire qu'entre guillemets, qui ne sont pas restés en centre de formation. Et eux, ils reprenaient encore ces joueurs, tu vois. Et j'ai vu des talents de fou à Noisy, frère. C'est l'Île de France, Non, en fait, on se rend pas compte, frère. En Île de France, les joueurs qu'on a, frère. C'est visé là, je te jure. C'est quand tu vas à l'étranger, tu te rends compte qu'en fait, la région parisienne, on a déjà des très très bons joueurs. Et qu'est-ce que c'est dur, tu vois. Parce qu'il y a trop de bons joueurs, tu vois. Pour sortir ces missions, c'est trop dur. Très très compliqué, je te jure. Si t'as la chance d'intégrer un centre de formation très jeune, et ben c'est bien, tu vois. Mais comme tu dis, ça dépend de l'accompagnement, ça dépend de plein de trucs aussi, tu vois. Bien sûr. Et au bout de 3-4 ans, quand tu fais un centre de formation, et ben, il faut être fort mentalement à se dire que même si ça n'a pas marché dans le club, et ben tu peux encore signer pro ailleurs. Mais on te fait croire que si tu passes pas pro à ce moment-là, et ben tu pourras pas être pro. Et moi, c'est ce qu'ils ont essayé de me faire croire, frère. Tu vois. Et si j'aurais pas été fort mentalement, frérot. J'aurais lâché, frère. À cette époque-là, en plus, c'était dur. Moi, quand tu dis des phrases. Moi, on m'a déjà dit une phrase comme ça. Je me rappelle, je sortais de Lille. Et c'était compliqué aussi, tu vois. C'était compliqué. J'étais dans un mauvais mood. À la fin, tu vois, j'étais arrivé à un point de non-retour avec eux. Et le mec, il m'avait dit une phrase. Je te jure, je m'en rappelle. Il m'a dit, Yannis, si tu continues, tu vas finir à Noisy-le-Sec. Il m'avait dit ça. Et j'avais dit, mais. Tu vois, j'ai dit, mais. Enfin, en plus, j'avais quoi, 18-19 piges, tu vois. Donc, je me dis, mais c'est pas. Tu dis pas ça, un petit. Ça dépend. Hein. Il y en a, ils s'effondrent. Enfin, pas ils s'effondrent. Mais c'est compliqué de d'encaisser ça. Tu dis peut-être, il dit vrai, puisqu'il a plus d'expérience que moi. Tu vois. Et c'est là, après, tu commences à. Voilà. C'est compliqué, je te jure, frère. Moi, je t'ai dit, quand ils m'ont dit ça, tu seras. Moi, on m'a dit clairement, tu ne seras jamais pro. C'est un truc de ouf. Mais frérot, dis-moi que tu me gardes pas. Il n'y a pas de problème, que c'est insuffisant pour toi, pour Nancy. Pas de problème. Mais dire à un gamin de 17 ans, tu seras. C'est-à-dire, tu lui dis, entre guillemets, ton rêve. Oublie-le. Comment tu peux dire ça à quelqu'un alors que tu sais pas ce qui pour toi peut-être en tant que toi, ton point de vue personnel, ton point de vue personnel, tu vois. Mais me dire, parce que tu dis ça à un gamin, je suis encore des gamins à 17 ans, frère, tu vois, dire ça, si psychologiquement t'es pas costaud et tu crois pas en toi, tu lâches. Et c'est arrivé à des centaines de joueurs, frère, des milliers de joueurs, qu'on leur a dit, tu seras jamais pro, et eux, ils pensent que c'est vrai, tu vois. Parce qu'ils se disent, il a plus d'expérience que moi, il est plus ancien, donc c'est peut-être il voit plus que ce que je vois pas, quoi, tu vois. Exactement, mais c'est très important comment tu parles au gamin, frère. Même si le gamin il a un problème de comportement, ce que tu veux, ça arrive. Mais lui dire que tu seras jamais pro, que. Non. Dis-lui, ça marchera pas chez nous. Bonne continuation, et le joueur il va essayer de trouver quelque chose ailleurs, tu vois. Mais c'est très compliqué, hein. C'est compliqué, frère. Et après, t'arrives à Nancy.
c'est, enfin, après Nancy, c'est là où tu commences un petit peu à te dire. Enfin, je crois que tu avais collège. Enfin, la dernière année à Nancy, tu avais. Mais en fait, ce qui se passe, moi, frérot, tu vois, la vie, c'est très. Regarde, moi, mon histoire, elle est vraiment. C'est ça qui est fou, frère. C'est que moi, à Nancy, j'ai dit, ils me disent, ils me gardent pas. Donc, je vais je repars au Racing après Noisy-le-Sec. Noisy-le-Sec, j'ai 20 ans. Je vais signer un an à Sedan. J'avais mon pote là-bas qui était Ismaël Traoré avec qui j'ai joué en 18 ans nationaux, qui est là-bas Ouais, lui. par là. Et je fais un match de CFA2 contre Sedan en CFA2. Et je fais un match de fou. C'est-à-dire qu'ils me disent, ouais, viens l'année Viens. prochaine avec nous. Mais j'ai 21 ans, tu vois. Ils me disent, viens avec nous. Tu finis avec la CFA2. Et si t'es bon, tu monteras avec les pros, frère. Tu vois. Ça veut dire que moi, j'ai déjà Isma qui est là-bas. Mais Isma, il est déjà avec les pros, tu vois. Il me dit, viens. Donc, chine un an là-bas. Chine à Sedan. Et c'est exactement ce qui se passe. Je suis bon en CFA2. Et au bout de. À la fin, les 5-6 derniers matchs, je suis titulaire en Ligue 2. Tu vois? Mais j'ai 21 ans, j'ai un petit. Tu vois? Et je marque. Dernier jour de championnat, je marque un but de fou, frère, contre Grenoble. Je crois que c'est un des plus beaux buts de ma carrière, frère. Pour te dire, je te jure. Corner. Reprise de volet pleine lucarne. Tu sais, normalement, je suis jamais dans la surface de réparation. Là, je mets un but de fou. Et à ce moment-là, frérot, il y a plein d'agents qui commencent à arriver. Et ils arrivent, frérot. Et Sedan, qu'est-ce qui se passe à la fin? Sedan, ils me proposent un an pro. Yanis, le contrat est sous mes yeux. Un an pro, ils me disent. C'est vrai que c'est très peu par rapport à. Mais eux, ils se disent, ouais, on te donne un an pro, si t'es bon, on va te donner. Et moi, j'ai des agents avec qui qui viennent juste quand je commence à jouer en Ligue 2, qui me disent, non, t'inquiète pas, on a des clubs pour toi. On a des clubs ils vont te proposer des 3 ans, signe surtout pas ce contrat. C'est-à-dire que moi, frérot, j'arrive, toute ma vie, j'ai entendu un contrat pro. J'arrive, je suis devant le directeur sportif, Serge Marchetti à l'époque, et il me dit, Tiff, on fait comment? Je lui dis, Serge et tout, c'est pas beaucoup, un an et tout. Il me dit, écoute, on te propose un an, à toi de faire tes preuves, et tu signeras. Et moi, frérot, je suis dans le bureau. Hein. Je l'ai pris comme un manque de respect en Ouais, un manque de respect. Mais de l'autre côté, gros. je me Ouais, dis, t'étais là, content. j'ai rien de sûr là-bas. C'est que des. On a, mais il n'y a rien, frère, tu vois. Donc là, j'ai un choix à faire. En plus, les choix dans le foot, c'est très très court. Là, c'était vraiment très court. Là, c'était genre, dis-nous ta réponse, là. Le contrat, elle est là. Ou sinon, prends la voiture et rentre à Paris et bonne continuation, tu vois. En fait, il est très clair, le message. Donc moi, ce que je fais, frérot, je refuse de signer. Je dis, Serge, je pense que je vais attendre un petit peu et je vais essayer de trouver un contrat qui est mieux pour moi, tu vois. Donc moi, je sors du bureau, je suis en confiance parce que par rapport à ce que les Serein. agents ils me disent, c'est que il y a des clubs, ils vont si je vais signer 3 ans. Frérot, je pars en vacances, il y a toujours rien, frère. Il y a vraiment rien. Moi, je les harcèle, je leur dis, ouais, les gars, c'est comment? Tout ça. Ouais, t'inquiète pas. Début juillet, les clubs ils commencent à reprendre. Moi, j'ai toujours pas repris, frère. J'ai toujours pas signé. Hop, on arrive mi-juillet. J'ai toujours pas de club, frère. Et après, tu commences à les appeler et tu commences à comprendre que. Et leur discours, ils C'était changent, pas vrai. frère. En fait, ils ont pas de club en En vrai. fait. Frérot, je te jure, Yannis, je sais pas si t'as vécu ça, toi, dans ta carrière. Mais voilà, c'était la période la plus dure de toute ma vie. Parce que j'avais un contrat sous les yeux et je l'ai Ouais, j'ai déjà vécu. refusé. Et de l'autre côté, en fait, il y a du vent, frère. Il y a que des gens qui parlent, mais il y a rien, frère. Tu Tu vois? t'en voulais. Je leur en voulais à eux déjà. Mais vraiment, j'avais des idées noires, frère, malheureusement. Mais j'étais. Tu m'as fait refuser un contrat parce que j'ai cru en toi, en tout ce que tu me disais. C'est pour ça qu'il faut trop faire attention, frérot. Je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, hein, parce que moi, j'ai quitté Je la pense France depuis qu'il doit longtemps, y tu vois. avoir aussi, il doit y a toujours y avoir ça, mais c'est vrai que en tout cas quand t'es petit, quand t'es jeune, tu vois, comme je t'ai dit, moi après c'est je pense que tu leur en veux, mais tu t'en veux un peu, tu te dis parce que je l'avais, c'était dans mes mains. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le plus frustrant, tu vois. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, les agents, Fort. ils sont forts, frérot. Et puis, eux aussi, hein, comme on dit, les entraîneurs, ils ont fait du mal à des joueurs, comme des agents ont fait beaucoup de mal à des joueurs, tu Énormément. vois. Parce que Énormément. frérot, tu promets des choses à des joueurs. Les joueurs, frère, on est naïf, on ne sait pas, frérot, tu vois. On dit, ouais, on y croit. Et au final, c'est que du vent, frère. Mais moi, c'est aujourd'hui, avec mon frérot, j'ai 37 ans aujourd'hui, j'ai tout vu dans le football. Et je me dis, en vrai, mais j'étais pas armé comme je suis armé aujourd'hui, tu vois. Mais c'est T'es jeune, normal, c'est frérot. normal, Tu vois? Et tu normal. fais confiance. Tu fais confiance. Et
Et en plus, pour te dire, les personnes, ces agents-là, là, c'était des personnes qui proches de chez moi. C'est-à-dire que, tu sais, il y avait cette confiance. Ouais. Et tu dis, les mecs, ils ne peuvent pas me mentir. C'est impossible, ouais. Ils étaient trop proches d'eux. Hein. Frérot, je te jure, c'était là. Et regarde, je refuse un contrat pro. Finalement, ils ne me trouvent rien. Et la période, c'était de quand à quand? C'était de juillet. De juin à août. Ouais. Ils ne me trouvent rien, frérot. Et en plus, les entraînements, la reprise et tout, ça a déjà commencé. Tout le monde a déjà repris, ouais. Frère. Et moi, frérot, je me retrouve sans club, frère. Et de un mois et demi avant, je suis en Ligue 2, frérot. Je marque un but du fou. Tu vois? Et je me dis, là, je me retrouve sans club. Tu connais. Après, qu'est-ce qui se passe, frérot? Isma Traoré, il m'appelle. Il me dit, frérot, t'en es où et tout? Je lui dis, Isma, voilà, j'ai pas signé. Et aujourd'hui, je suis en galère. Isma me dit, frérot, je t'ai dit signe et tout. Je lui dis, ouais, je sais, mais tu connais. Vas-y, j'ai fait une erreur, tu vois? Et Isma, bonhomme, franchement, sur ça, je l'oublierai jamais. C'est que lui, à ce moment-là, on change de coach à Sedan. C'est plus le même coach que quand moi j'étais là-bas, tu vois. Et il va voir, c'était Chauvin, tu vois, qui était là-bas. Il va le voir, il lui dit, il y a un joueur qui était l'année dernière, il devait signer, bref, il lui explique le problème. Et Ismaël dit, c'est un bon joueur, tu vois. Donc Sedan, il me refont revenir en une semaine à l'essai. Alors qu'il y a... Il y a deux mois, je devais signer pro. Là, je reviens à Sedan en essai, frère. Mais non. Parce que Chauvin, il ne me connaît pas. Ah. Et lui, il a déjà fait son recrutement, tu vois. Donc lui, il ne me connaît pas, tu vois. Et personne ne me connaît, frère. J'ai fait 5 matchs en Ligue 2. Tu vois, personne ne me connaît. Et grâce à Ismaël, je reviens. Je fais une petite semaine. Mais je ne suis pas prêt physiquement, frère. Ouais. Tu connais, quand tu n'es pas prêt, impossible. La semaine, elle se passe. Et à la fin, elle me dit très, très poliment. Elle me dit, je suis désolé, ça ne va pas être possible, tu vois. Donc, tu vois, Ismaël a tout fait pour que je revienne, tu vois. Ça a pas pris. Donc, je repars en région parisienne. Et là, Saint-Noix-Saint-Gratien. Chine, on me dit, un club national. Ils sont bloqués par DNCG. Ouais. Il n'y a pas un euro. Juste, tu signes là-bas. Juste pour te relancer, frère. Donc, après, je signe là-bas. Mais... Mais là-bas, ça se passe comment, enfin, par rapport à Noisy, par exemple? En fait, ce qui est dur là-bas, frérot, c'est comme je te dis, c'est qu'à ce moment-là, j'ai presque 22 piges, frère. Ouais. Et Saint-Noix-Saint-Gratien du 92, c'est très loin, frère. C'est ce que j'allais te demander tout à l'heure, c'est pour ça. Frérot, c'est très loin. C'est du 95. Ouais. C'est vraiment loin, frère, je te jure. Et je suis pas payé. C'est-à-dire que tout le monde prend un salaire dans l'équipe, sauf moi. Yeah. Ils avaient tous, à l'époque, Saint-Noix-Saint-Gratien, ils donnaient des... Ouais. Un peu d'argent. Je m'en rappelle. Il y avait des joueurs qui prenaient de l'argent. Moi, je joue pour zéro. Mais moi, qu'est-ce qui se passe, frérot? J'ai aucune rentrée d'argent. Ouais. Sedan, un an avant, j'avais un contrat apprenti. Il me donnait, je sais pas, 1100 euros à l'époque. Ça veut dire, qu'est-ce que je dois faire, frérot? Je dois aller à la NPE pour toucher le chômage. Ouais. J'ai 22 piges. Je devais signer pro. Je me retrouve à aller avec mon frère en à la NPE. En 6 mois, en même pas 6 mois. Ouais. Même pas 6 mois, 3-4 mois, à la NPE et pour pointer au chômage, pour pouvoir toucher le chômage. Frérot, c'est une dinguerie, frère. Et ça, voilà, c'était la période la plus dure de ma vie. Parce que obligé de retourner chez mes parents, tu vois. Je retourne chez mes parents. Bah, tu connais les frères et soeurs, on a grandi, tu vois, dans le bruit, dans le truc, t'as plus l'habitude. Parce que moi, j'ai vécu un an seul, tu vois. Ouais. Donc, tu te réadaptes, obligé de retourner à l'école, tu vois. Pour avoir un. Ouais. On va dire un, quelque chose. C'était pas en que t'es obligé ou c'est toi, tu t'es dit. C'est moi, je me suis dit, si le. Là, ouais. Moi, je suis toujours. Yannis, à ce moment-là, je me dis, je serais jamais pro. Je vais essayer de jouer en CFA. J'ai trop de malchance, il y a trop d'obstacles. En fait. J'ai refusé, en fait, je me suis dit, le train, il passe qu'une fois. Frère. Ouais. Tu vois, c'est très bien être pro quand c'est dur. C'est très dur. C'était encore plus dur avant. Ouais. Et je me dis, le train, il est passé, frère. Et je l'ai loupé. J'ai fait un choix, j'ai merdé et je pourrais pas remonter dans le train, tu vois. Mais au final, ça a été autrement, tu vois. Mais j'ai eu un peu de chance. Mais comme je dis, je reçois Sedan et après, Saint-Noix, pendant 2-3 mois, je joue pas. Et à l'époque, et c'est là où je joue contre toi. Ouais. À l'époque, Noisy, ils sont en CFA, ils sont montés l'année d'avant. Ouais. Quand moi j'étais à Sedan, ils sont montés en CFA. Mais ils jouent le maintien en CFA. Et c'est très dur, tu vois. Et Nasser, il me rappelle, il me dit, fils, reviens. Il me dit, reviens à Noisy. À l'époque, il me donne un petit fixe. Quoi, il me demande 500, 600 euros, frère. J'étais au top. Il me donne ça, frérot. Et vas-y, je dis, Noisy, c'est moins loin que Saint-Noix. Bon, c'est CFA, c'est pas national, mais je sais que je vais jouer. À Saint-Noix, je jouais pas, frère. Tu vois, je jouais très peu.
Donc je signe chez Anoisy. C'était en quelle année? 2009, ça, je crois, non? Ah, c'est de 2009. 2008 ou 2009. Ah, 2008-2009, je m'en rappelle. Et c'est là où mon premier match, c'est contre vous. Ah, et c'est là, ouais, je m'en rappelle, je te disais tout à l'heure, c'est... En plus, parce qu'il y a mon pote là-bas. Enfin, on joue dans la même équipe, Adama Soumaoro. Ouais. J'ai dit, putain, c'est qui ce mec? Il me dit, c'est un mec de chez moi et tout. Et on avait un coach avec les cheveux longs. Et je lui dis, mais il est trop fort et tout. Il me dit, ouais, mais. Lui, il connaissait ton histoire parce qu'il me dit, il a joué dans ce club-là. Peut-être que... Il me dit ça. Ouais, il me dit, peut-être que le train, il est passé et tout. Je lui dis, non. Il y en a deux. Il y avait Samba. Ouais. Et je dis, ils sont trop forts. Donc après, pour te dire, je suivais de loin, tu vois. Parce que moi, j'aime bien le foot et tout. Et Adama, il me dit, ouais, il est parti là. Et c'était. Ouais. Moi, quand je joue contre vous. Là, un match de ouf, je m'en rappelle, je dis, c'est qui, là? Nous, là, ce match-là, trop important. Domicile. On gagne 1-0, je crois. 1-0 sur le synthé là-bas. On gagne 1-0. C'était magnifique. Ouais. Là, c'était dur. Et après, on se maintient. On se maintient à Noisy. Et encore une fois, j'ai encore l'opportunité. Là, c'est Rachid Matar, qui est entraîneur de la CFA de Nancy, qui me kiffe. Parce qu'on joue contre Nancy, il me voit jouer. Mais j'ai 22 piges, là, je vais avoir 23, hein, tu vois. Et il me dit, viens l'année prochaine chez nous. Non, puis je me rappelle à cette époque-là, t'as 22-23, t'es passé en centre de formation, t'es pas passé. Il dit, les gens, ils disent, ah, truc. Trop compliqué. Ah. Trop dur. Ah. Et il me dit, Rachid, il me dit, viens l'année prochaine avec nous. Et moi et Samba. Mais Samba, il est plus jeune que moi. Ah. On signe avec la CFA. Ah, j'en refais, moi, je me rappelle, je dis à Rachid Matar, je dis, si je viens, mais fais-moi un contrat pro. Un an pro, tu vois. Et il me dit, ouais, mais si je te fais un signe pro, tu vois, pour avoir le statut pro, en fait, dans ma tête, c'était psychologique. Ouais. Je voulais aller repartir à Nancy, mais avec ce contrat pro, tu vois. Mais il me dit, Rachid Matar, il me dit, je te préviens, j'ai parlé avec Pablo Correa, tu seras avec la réserve, tu vois, tu signes pro. Fais tes preuves avec la réserve. Exactement, tu reprends avec la réserve, t'es un joueur de la réserve. Je dis, ouais, parce que moi, je suis. T'es trop je l'ai déjà fait à Soudan, je suis confiant, je sais que je vais être bon avec la CFA. Et ce qui va se passer, c'est que quand il y a un joueur qui va être blessé ou en fin de saison, tu vas monter avec les pros, tu vois. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, frérot. Moi et Samba, on est bon avec la CFA. Et Samba déjà quitté, lui, par contre, il est très fort, tu vois. Et lui, c'est à ce moment-là qu'il explose. Ouais, je m'en rappelle. Et je fais un an avec la CFA. Qui se passe bien en plus. Ouais, qui se passe bien. Ouais, je m'en rappelle. Ça se passe bien. Parce que là-bas, là, j'avais joué aussi contre Nancy, c'était TTA. T'as fait un putain, moi, je m'en rappelle. Ouais. À l'époque, il y avait Alfred Ndia et tout ça, je crois. Ouais, c'est ça. Mais eux, comme je dis, les Ndia, ils sont plus jeunes. Ouais. Tu vois, ils ont 4-5 ans de moins que moi, tu vois. Moi, je suis déjà avancé dans l'âge. Tu vois, je suis avec eux, mais je suis avancé dans l'âge. Tu vois, et tu sais très bien comment c'est dans le foot, comment l'âge, c'est important. Ouais, surtout. C'est important. Ils en font tout un plat, comme si. Tu vois, ils disent, en fait, arrivé à un certain âge. Il va plus progresser, ouais, parce que. Alors que non, moi c'est à ce moment-là que j'ai commencé à progresser, tu vois. Moi, j'ai progressé tard, tu vois. Et pareil, frérot, je monte avec les pros en fin d'année, je joue 4-5 matchs, je fais 4-5 entrées en Ligue 1, ça se passe bien. Et après, ils me reproposent un contrat pro de 2 ans. Là, c'est un vrai contrat pro avec l'équipe pro, tu vois. Et là, je signe avec Correa et ça va. On a une bonne ambiance, une bonne équipe, mais je joue pas. Du tout. Ouais, je joue très peu. Je joue mon premier match, frérot, j'avais 25 ans, frère. Je joue au Vélodrome, avec l'époque de Marseille, leur équipe de fous qu'ils avaient là. Cette année, ils sont champions. Ils ont une équipe de fous. Il me fait jouer titulaire au Vélodrome. C'est qui est arrière gauche? Taïwo, là. Taïwo. Je chantais que son souffle derrière mon oreille. Tu vois un peu comment il était costaud, frère. Il était très très fort. Mais c'est bien, cette histoire elle est belle parce qu'après on va en parler. Parce qu'après on en avait déjà parlé. Parce que tu l'as rencontré après en plus. Ouais, j'ai rencontré après. Non, frérot, je joue à Nancy contre Marseille au stade Vélodrome. Frérot, ambiance de fou. Très compliqué, frère. Juste, si tu perds pas le ballon, déjà c'est bien, frère. Je joue très simple. En fait, tu fais rien dans le match. Ça fait du bruit, ça. En fait, là, Pablo, c'est un poisson. C'est un cadeau. Si tu veux jouer, vas-y, joue. Ouais. Il y a beaucoup de coachs qui font ça. Ouais. Pour dire, ouais, bah, je t'ai fait jouer, voilà. Je t'ai donné ta chance. Ouais. Et t'as fait quoi? Mais frérot, faut être lucide. Je vais faire quoi contre. Tu dis, tu sais très bien que 90% du temps, tu vas pas avoir le ballon, frère. Ouais. Et ça va être très fort. Moi, c'était l'époque de Marseille. Les Francs, ils avaient une vraie équipe. Ouais. Hein, tu vois? Il y avait Atem, ça, quand il y avait Atem, ça, je crois. Je sais pas si Atem, il était là. Il y avait Rémi, il y avait MBA. Ouais. Il y avait ces joueurs-là, frérot.
Il y avait Mandanda, et il y avait des. C'était très très dur. Donc je joue très peu, frère. Je joue très peu. Mais après, j'arrive en fin de contrat. J'arrive en fin de contrat, il me reste 6 mois de contrat. Et je sais pas ce que je vais faire. Et à ce moment-là, je suis à Nice. Il n'y a aucun club de Ligue 2 qui me veut. Pourtant, je suis Chine Pro à Nancy, je joue en Ligue 1. Mm-hmm. Je joue pas trop, c'est vrai, en Ligue 1. Mais même en Ligue 2, personne veut de moi. Mais personne. Je me rappelle Rachid Matar, il fait tout pour parler de moi, tu vois. Parce que lui, il me kiffait, il voulait que je réussisse, tu vois. Il parle de moi à Arles-Avignon, à Tours, tous ces clubs-là. Là. Ouais, c'est bon, mais c'est pas suffisant, je pense, tu vois. Donc en France, c'était très compliqué. Ouais. Et j'arrive en fin de contrat. Tu dis, je vais repartir encore comme il y a 2 ans, comme l'année dernière, comme à chaque. Ouais. Je me suis dit, fin de contrat, je vais repartir, je vais finir mon contrat, je vais repartir encore, je vais trouver national, tu vois. Par contre, je sais que je peux jouer, tu vois. Je sais que je peux jouer, mais ça vient pas. Ça vient pas, et frère, j'ai bientôt 26 ans. Et à cette époque-là, l'agent en question, c'est plus les agents que. Non, après, moi, ces agents, je les ai baillés, frère. Ceux qui m'ont fait la dinguerie, ouais. non, j'ai plus de nouveaux contacts avec eux. Puis il n'y a plus rien, frérot, avec eux. Moi, je me rappelle, Nancy, je signe presque sans agent. Il y avait un entraîneur de la CBB qui était avec moi, là, Gilles Bibé, qui lui, il m'accompagne, il signe avec moi, tu vois. Il n'y a pas de commission, il n'y a rien, frère, c'était un contrat à la charte, frère. Ouais. Tu vois, je touchais le salaire minimum la charte, qu'ils peuvent donner, tu vois. Et donc après, t'arrives à 6 mois, après, t'es quasiment. T'es bloqué. Ouais, je suis bloqué. Je suis bloqué, frérot. Et là, à ce moment-là, il y a un club. Il y a un agent qui m'appelle pour la Bulgarie, frère. Ouais. Je te jure, on m'appelle pour la Bulgarie. Moi, je viens d'avoir ma fille. Ma fille, elle a 4 mois, frère. 4-5 mois. Elle vient de naître. Je suis à Nancy. Et on part de la Bulgarie. Et moi, frérot, au début, je me braque, frère. Dans le sens où je me dis, mais pourquoi tu me pars de la Bulgarie? Ça veut dire que je suis nul, ça veut dire que ouais, tu me parles. Tu sais, en fait, j'ai des états d'âme. Parce que c'est l'état d'esprit aussi qu'on a français aussi. Ouais, enfin, en tant que. En fait, pour moi, j'ai l'image de la Bulgarie. Exactement, c'est ça. Que, genre, c'est. Tu sais, je sais pas, c'est pas évolué. Mais pas que toi, à cette époque, tout le monde, tu vois. Tu vois, exactement. Et moi, au début, je dis non, frère, la Bulgarie. Je dis non, je vais pas en Bulgarie. Ah, mais c'est bien pour toi, c'est un club, tu vas te relancer. Je dis, je vais pas en Bulgarie, laisse-moi tranquille. Je vais essayer de. Je finis mon contrat. J'essaierai de trouver une petite Ligue 2 ou une nationale. Je reste en France. Je viens d'avoir ma fille. Je ne vois pas dire à ma femme et ma fille, on va en Bulgarie. Je ne me voyais pas à ce moment-là dire ça. Tu vois. Et je te jure, ça, je ne l'oublierai jamais. C'est-à-dire que moi, je parle à l'agent, je dis, hey, je ne viens pas. Arrête de me parler de la Bulgarie. Je dis leur au club que je ne viendrai pas. Tu vois. Et ma femme a un beau téléphone, parlait un peu fort. Tu vois. Et ma femme me dit, Castin. Et je lui explique. Et je lui dis, on parle de la Bulgarie, là. Je sais pas ce qu'il y a. Les gens, ils sont fous, tout ça. Et elle m'a dit une phrase qui a tout déclenché dans ma tête. Elle me dit quoi? Elle me dit vas-y, va voir. Si ça te plaît, tu signes. Si ça te plaît pas, ben tu signes pas, tu vois. C'est-à-dire quand elle me dit ça, Yannis, ça veut dire en gros, si ça te plaît, ben je te suis. Ouais. Tu vois? Moi je savais qu'elle allait me suivre, mais qu'est-ce que ça vienne d'elle, qu'elle me dise vas-y, va voir. Ouais. Tu vois, ça t'a mis en confiance, ouais. De ouf. Elle me dit, ici tu joues pas. Annoncé, tu joues pas, t'es triste, t'es malheureux. Va voir. Ça veut dire que moi, je rappelle l'agent tout de suite. Je dis, vas-y, prends-moi un billet d'avion avec mon frère. Demain, j'arrive. Je te jure, de Nancy, on part. Je préviens le club. Je pars. On décolle du Bourget, frère. Un avion charter, frère. On va directement à Sofia. J'atterris, frérot, là-bas. Il est, il est minuit, frérot. Il y a un chauffeur bulgare. Il arrive, il nous récupère. Il nous dit pas un mot, frère. Archi froid. Il bombarde jusqu'à Bourgas. Il roule à 200 km/h, frère. Il roule à. On arrive, frérot. On arrive la nuit. C'est-à-dire, on arrive la nuit. On arrive dans un bête d'hôtel, mais c'est un très bel hôtel. Mais autour, il n'y a rien. Bon, non, autour, je vois pas ce qu'il y a parce que c'est dans le noir. Tu vois. Et moi, je suis surpris, tu vois. Je me dis, agréablement. Ouais, agréable. De ouf. Je me dis, ils me disent, ouais, c'est l'hôtel du président, tout ça, tu vois. Frérot, le matin, je dis bonjour au coach. On va à l'entraînement. Quand je sors de l'hôtel, je vois en fait il y a la mer et tout, frère. Ouais. On est au bord de mer. L'hôtel est au bord de mer. La ville en fait c'est Bourgas. C'est au bord de mer, tu vois. Frérot, au bout d'un entraînement, ils me disent ouais, c'est bon, on veut que tu signes chez nous. C'est bon, tu signes, tu signes. Et moi à ce moment-là, frérot, il faut que je fasse encore un choix rapidement, tu vois. Ouais. Et j'appelle ma femme, je lui dis écoute, les installations sont propres, le club il a l'air propre,
il y a 3-4 Français dans l'équipe. C'était qui les Français à l'époque? C'est que des... Il y avait Yannick Bolli. Ah oui, oui. Qui avait joué au PSG. Ouais, ouais, je m'en fais. Il y avait Jérémy Faux-Poré. Ouais. Lui, ouais. Il n'avait pas trop joué en France, Je vois qui c'est. Il y avait quelques joueurs. Mm-hmm. Il y avait qui? Je ne sais plus exactement il y avait qui en français, mais on était 3-4. Mm-hmm. Tu vois, il y avait une petite ambiance, ouais. Tu vois. Et après, je signe. Je signe là-bas, frérot. Je viens récupérer mes affaires à Nancy. Je signe et fin de Nancy, frère. Et t'avais signé combien de temps là-bas? J'avais signé 3 ans et demi. Mm-hmm. Frérot, je vois tout de suite qu'eux, ils sont dans un autre état d'esprit. C'est pas pareil. Eux, ils m'ont pris pour me faire jouer. C'est-à-dire qu'ils me font jouer un match, deux matchs. Et après, ça y est, j'enchaîne. Je fais que de marquer. Je mets 15 matchs, je mets 10 buts. Ouais. Tu vois? Et après, ça y est. Et après, c'est les clubs turcs s'intéressent à moi, mmh. Tu vois? Et après. Et c'est là, après, c'est là que ça arrive, l'aventure turque. C'est là que ça ouais, commence. Ça arrive, là, l'aventure turque. Mais avant que ça arrive, l'aventure turque. T'as trimé. Ouais, j'ai trimé et les Bulgares, ils sont coréens, frère. Ah ouais? Ouais. Ouais. Parce qu'en fait. Il m'appelle, moi je suis en vacances, ils me disent on a un club pour toi, Sivasspor. C'est bon, tu vas toucher tant. Je dis mais comment tu rentres, tu sais comment. En fait, limite, ils parlent à ma place, ils négocient à ma place. C'est-à-dire qu'ils se disent le transfert il va être tant, toi tu vas toucher tant, 3 ans de contrat, c'est bon, pars, tu vas à Sivasspor. Je leur dis non. Je leur dis vous avez trouvé votre accord club, moi laisse-moi discuter avec le club, si je trouve un accord avec eux, tu vois. Et je te jure, je suis tellement bien à Burgas. Pourtant, je prends pas beaucoup d'argent, frère. Mais je suis arrivé dans une ville, il faisait beau, la vie était pas chère, ma femme elle était bien, elle était tous les soirs au restaurant, tu vois. C'était bien, frère. Je voulais pas partir, en plus, je faisais que de marquer, jouer, tu vois. T'étais heureux. J'étais heureux, j'étais bien, frère. Et là, tu me dis, non, tu vas à Sivas. Je leur dis, ouais, je vais aller à Sivas, mais tant que moi j'ai pas discuté pour mon contrat, j'y vais pas. Et ils me disent, non, c'est nous, on a ramené le club, c'est nous, tu vois. Et je leur ai dit, tiens. Frérot, c'est compliqué en fait quand t'as pas l'habitude. Ouais. Là, en France, t'as pas ça, tu vois. Là, t'arrives en Bulgarie. C'est un autre délire, ça n'a rien à voir. Ça veut dire, je suis sûr, Yanis, il m'arrivait des dingueries, frère. Je dis, écoute, dans ces cas-là, je vais pas à Sivasspor. Je chine pas. Il me dit, dans ces cas-là, tu vas rester. Je leur dis, y a pas de problème, je reste. Bon, en fait, ils savent pas par où je suis passé, moi. Moi, pour moi, là, ce que tu me donnes pendant 3 ans, ça me suffit. Je veux rien d'autre. J'ai pas demandé à partir, moi. Mais eux, c'est un coup de bluff en fait qu'ils veulent jouer là, à ce moment-là, tu vois, ils veulent m'intimider. Et je leur dis, je vais aller au bout, je pars pas. Tant que mon agent n'a pas parlé avec les Sivasspor, je bouge pas. Je pars en préparation là-bas. Au bout de 2-3 jours, ils voient que je lâche app, tu vois. Ils craquent sur moi, mais ils veulent absolument me vendre parce qu'ils vont récupérer un billet, frère. Et ils sont, le club, ils sont en accord. Ouais. Ils me disent, vas-y, bah, ils viennent m'appeler, oh, archi froid. Ils me disent, ouais, appelle ton agent et tu vas en. Comme ça. Tu vas en Bulgarie. Tu vas à Istanbul demain. Tu vois. Mais avant ça, pendant ces 3-4 jours là, juste avant de partir en préparation, moi je m'embrouille avec eux dans le bureau, je leur dis, ouais, si c'est pas mon agent qui discute avec eux, je pars pas. Et carrément, je leur dis, hey, je vais rentrer en France. Tu sais, je leur fais. Tu sais ce qu'ils ont fait, frérot. Mais voilà, ça c'est véridique, hein. Un jour, je suis en voiture dans la ville de Burgas, je roule, et je vois quelqu'un qui me suit. Non, mais réel, voilà. Quelqu'un qui me suit. Je tourne à droite, il tourne à droite. Je tourne à gauche, il tourne à gauche. Et je dis à mes gars dans la voiture, les frères, il y a quelqu'un qui nous suit derrière. Et ils me disent, mais non, mais détective, tu étais parano, tout. J'aurais dit, je vous jure, quelqu'un qui me suit. Tu vois, c'était un Jeep bizarre, tu vois. Un mec, bras extérieur, comme ça. Frérot, moi, je commence à paniquer, frère. Je dis, c'est qui me suit comme ça, frérot? Pleine route, je mets frein à main, je descends de la voiture, je dis, moi avec un anglais éclaté, je dis, what? Je dis, genre, c'est quoi le problème? Et lui, frère, il descend de la voiture, sans froid, frère, très calme. Il me dit comme ça. Et il montre, genre, il me fait comme ça, et genre, il montre qu'il a un calibre. Man. Je te jure, la mère, réel. Il montre qu'il a un calibre. Mais moi, je pense qu'il veut me faire du mal. Mais en fait, non. En fait, lui, il me dit, genre, entre guillemets, je suis ta sécurité. Parce que pour eux, le club de Burgas, je suis une valeur j'ai 500 000 euros qui sont valables dans la ville parce qu'ils vont me vendre à ce prix là tu vois ce que je veux dire? Mais non, mais je te jure, il me dit genre t'inquiète pas, sécurité, c'est genre je suis là pour toi,
Parce que moi, quand je leur ai dit je vais partir en France, entre guillemets, tu vas pas partir, toi. Ils m'ont mis quelqu'un, 24 heures sur 24, mais il non. Je rentre chez moi, je me gare, je vois ce gars en bas de chez moi, il attend jusqu'au lendemain matin. Et ça a duré pendant un ou deux jours avant qu'on parte en préparation. Et il était là, frérot, il me suivait où j'allais, il me suivait. Il parlait pas, frère. Le mec, il devait avoir 50 balais, ça se voit, c'est ancien militaire, très froid. Et il était là, mais genre, tu vas aller nulle part, frère. Tu vas pas bouger du pays tant qu'on t'a pas vendu, frère. Je te jure. Moi, je bluffais quand je dis ouais, je vais rentrer en France. Mais eux, ils l'ont pris sérieux. D'ailleurs, ils ont mis quelqu'un derrière moi. Et je vais en préparation. Comme je te dis, après, ils me disent c'est bon, tu vas appeler ton agent, on va à Istanbul. J'arrive à Istanbul et là, je signe à Sivas. Tu vois. Et de là, à Sivas, après, enfin, ton passage, moi, je parle au niveau de la mentalité parce que je sais que les. Enfin, peut-être c'est un peu similaire, tu vois, les Bulgares et les Turcs, tu vois. Mais quand t'arrives, tu vois pas une différence par rapport à la Bulgarie, les Turcs. Je parle de la mentalité, hein. La mentalité, c'est franchement, c'est à peu près la même, frère. Ouais. Tu vois. Après, moi, j'arrive, frérot, pour signer à Sivas. J'arrive déjà, il y a une entourloupe, frérot. Dans le sens où mon agent il me dit ouais, tu vas signer pour tant. J'arrive dans le bureau, frère. Je vois, c'est pas les mêmes montants, frère. Je te jure, Anis. Et là, c'était un gros contrat que je signais, frère, par rapport à ce que j'ai gagné. Là, tu voyais vraiment. Là, je commence à me projeter sur l'avenir. Trois ans de contrat, il y avait pas mal d'argent. Et moi, jusqu'à 26, j'ai 26 ans à ce moment-là, Anis. Ouais. J'ai pas un euro à gauche. Toutes mes années avant, j'ai pas un euro à gauche. Et je me dis, faut que tu signes ce contrat. Ce contrat, il va te mettre à l'abri, toi, ta femme, tes enfants. Tu vas être bien, frère. Signe au moins ce contrat. Mais quand j'arrive dans le bureau, je vois que c'est pas les mêmes chiffres. J'ai horreur de ça, frère. Quand tu me dis un truc, après fais le frère. Comme tu. Ça veut dire, moi, il y a mon agent qui est là, il y a le président de Sivasspor, il est là. Sivasspor, frère, il a pas le temps, lui. Hein. Tu vois, ils veulent te faire signer, mais si tu fais tu fais du cinéma, ils vont te dire vas-y, pars. En plus, ils sont comme ça, les Turcs, parce qu'ils sont très orgueux. Ouais, ils sont très orgueux, tu vois. Et ils voient, il y a un truc, je dis à mon agent, je dis. C'est pas les chiffres qu'on s'était dit. Pourquoi tu il me dit ouais mais t'inquiète pas, sois bon et après ouais, je dis non mais pourquoi tu me dis sois bon. Moi je commence à monter le pourquoi tu me dis sois bon. Tu m'as dit que ça allait être ça les montants. J'arrive dans le bureau, c'est des autres montants. Tu vois. Et Julie il est gêné parce que tu connais les agents ils veulent pas se mettre en froid avec le club. Et moi à ce moment là je parle pas un mot turc, frère. Ils se parlent entre eux et le président il dit ouais qu'est-ce qui se passe et tout, tu vois. Et lui explique qu'on lui avait dit qu'on allait lui donner un peu plus, tu vois. Et le président il dit écoute t'inquiète pas, signe le contrat. Si t'es bon, on te donnera cet argent. Tu vois. C'est-à-dire que moi je signe, mais parce que je suis obligé de signer. Ouais, je peux pas refuser. À ce moment-là, tu pouvais pas refaire comme à chaque fois. Non, je peux pas. je peux pas. Je peux pas faire le. Je signe, mais je te jure, je sors du bureau. J'ai une rage, moi. J'ai une rage contre l'agent, frère. De ouf. Et dans ma tête, la seule phrase qui reste, c'est sois bon. Et on fera le nécessaire. Ça fait, je dis rien, je signe. Le lendemain, on va en préparation. Et j'arrive dans l'équipe de Sivasspor. Et quand j'arrive, il n'y a aucun Français à part Jacques. En plus, quand tu as signé à Istanbul. Ouais, c'est à Istanbul. Donc du coup, après, tu vas. Je vais pas à Sivas, je vais à Bolu. C'est en préparation là-bas. Je vais là-bas et j'arrive. Il est 1h du matin. Il y a juste Doudou Jacques Fati qui m'attend. Il m'attend parce que lui, il avait déjà signé là-bas, tu vois. Et moi, c'était un nom déjà, j'étais content que tu sois là-bas, tu vois. C'était un nom, tu connais. Marseille, international sénégalais, tu vois, j'étais content qu'ils soient là. Donc il arrive, il m'accueille bien, il m'explique un peu les mentalités, parce que moi j'arrive dans un. Tu vois, je suis pas prêt en fait. Bah oui. Tu vois, j'ai fait que 6 mois en Bulgarie, mais 6 mois en Bulgarie, ça s'est très bien passé. Tu sais très bien, quand ça se passe bien dans ces pays-là, tout va bien. Ouais. Quand ça se passe mal. Et lui, il m'explique les mentalités, tu vois. Donc il me prépare, il m'explique, tu vois. Il n'y a que lui comme français. Donc heureusement quand j'arrive à Sivasspor, il est là. Parce qu'il m'aide beaucoup, frérot, dans l'intégration, dans plein de choses, tu vois. Et lui, il a quand même un nom, il a un vécu, tu vois. Donc il m'aide beaucoup à m'intégrer. Et ça se passe bien. Ça se passe bien. Quand même très bien. Ouais, ça se passe très bien. Ça se passe très bien, mais au début, par exemple, en préparation, j'étais nul. Mais vraiment, j'étais nul, frérot. Mais le club, puisqu'il m'avait acheté... Parce que le coach il comptait sur moi. Premier match du championnat, il me dit clairement, il me dit,
t'as pas été très bon ouais, en préparation, tu vois. Ce match, je veux pas te mettre, mais le prochain match à domicile, je te mets titulaire. Comme ça, tu vois un peu le football turc commencer en championnat, tout ça. Je lui ai dit, ok, coach. Et c'est ce qui se passe. Premier match, on joue. Je rentre 15 minutes, on gagne 1-0. Mais on avait déjà, quand je rentre, il y avait déjà 1-0. Mmh. Je fais que de défendre, ouais. Tu vois. Et moi, le match d'après, je me dis, le coach, il m'a parlé avant le match. Mais le coach, il va pas changer l'équipe, elle a gagné, frère. Ouais. Il va remettre les mêmes 11, tu vois. Et non. Il a tenu parole. Il a tenu parole. Putain. Il me fait jouer. Premier match à Sivasspor, à domicile. Personne me connaît en Turquie. Genre mon nom, Atif Chechou, personne ne connaît à ce moment-là, tu vois. Et au bout de 10 minutes de jeu, frérot, il y a un long ballon, on avait un black qui était costaud, frérot, devant. Et contre le ballon, elle revient sur, elle vient devant moi, je jouais 10, moi. Et à ce moment-là, je prends le ballon, c'était à 8-9 minutes de jeu. Je viens d'arriver au premier match en Turquie. Je fais un crochet sur mon pied gauche. Mon pied gauche, il est éclaté à la base, tu vois. Et je mets une frappe de 30 mètres. Pied gauche, but. Wow. À ce moment-là, en fait, c'était la meilleure des façons de commencer dans un club. Tu connais ? En Turquie, surtout. Surtout en Turquie. Et quand t'es attaquant, qu'est-ce que ça te libère, frère ? Tôt, quand tu fais ça tôt, ça te libère de fou. C'est fou, frère. Ça veut dire que je mets un but de fou déjà, pied gauche, à domicile. Improbable, le truc. Improbable. Ouais. Je cours partout, il y a mes frères dans les tribunes à Sivas. Vas-y, frère. Et là. Les joueurs commencent à se dire, ouais, il y a un joueur, il a mis un but de fou, tu vois. Et là, je commence à enchaîner les matchs. Le match d'après, je marque. Le match d'après, on joue Beşiktaş. À Beşiktaş, je marque, je pars du milieu de terrain, je pars au but tout seul, tu vois. On gagne 1-0 pareil. Et ça, et après, mon blaze, il commence à arriver, tu vois. Et après, je me blaze pendant 2 mois, je me blesse en torse du genou. Et t'as enchaîné combien de temps jusqu'à cette période-là, jusqu'à cet événement? 5-6 matchs. Mais titulaire. Que marqué passe D, marqué passe D, boum, je me blesse. Voilà. Je me blesse début de saison, tu vois. À la 6-7e journée, je me blesse. Je me blesse, après je reviens, je mets du temps à revenir à mon niveau que j'ai eu en début de saison, tu vois. Je remarque quelques buts. En fait, je reviens, mais je joue direct titulaire et je reviens et. Moi, je suis le genre de joueur où faut pas mettre un match et tu m'enlèves. Il faut que tu me laisses un, deux, trois matchs et après, je prends le rythme et après, ça y est, frérot. Je sais que je vais être bon, Il faut avoir des coachs patients, il faut avoir plein de trucs aussi, tu vois. Et en Turquie, tu sais très bien, t'as joué en Turquie, frérot. Ils sont pas patients, tu vois. Et moi, j'avais la chance à Sivas, tellement j'ai bien commencé. Ils t'ont laissé du crédit. Ouais, t'ont laissé du crédit. C'est ça qui m'a sauvé. C'est qu'après ma blessure, même j'ai eu des matchs où j'étais moins bien, ils continuent à me faire jouer. Et après, tu connais, ça revient et après, j'ai continué à remarquer, tu vois. Et je finis la saison, je suis à 8 buts, je crois. 8 buts. C'est une bonne saison. Ouais, une bonne saison. Ouais. On se maintient, tu vois, c'était dur. On se maintient. Et bonne saison. Franchement, bonne saison. Et après le coach, il part. Le coach, il part. Et ce qui se passe, c'est. Il y a Roberto Carlos qui signe. Ah ouais, je me rappelle. Nous, il y a Roberto Carlos qui signe, frère. Moi, quand j'entends ça, je dis, mais non, c'est impossible. Il va pas signer à Sivasspor, frère. Le mec, il joue à Fener, Real. Il va trouver un autre club, tu vois. Il va venir à Sivasspor, tu vois. Bon, ils arrivent à faire signer Sivasspor, Roberto Carlos. Incroyable. Ah, ouais. En plus, il ramène avec lui, il ramène Cicinho. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, je me rappelle latéral droit, là. Latéral droit. Qu'est-ce qu'il était fort. Et tu chaud? Frérot, tu. Ouais, non. Très, très fort. Et on signe. C'est à cette année-là où moi, j'explose. T'as, tu décolles. Ouais. Par rapport à ta relation avec lui ou par rapport où tu te sentais mieux ou tu par déjà, rapport déjà je suis bien dans le club tu vois et parce que lui c'est un coach il arrive déjà avec un entraîneur adjoint frérot c'était que football frère on faisait pas de physique frère on faisait que des taureaux des matchs en plus Carlos il était encore très très fort ah ouais il faisait un entraînement avec nous il était trop fort il avait une patte gauche frérot c'était incroyable et c'était Et en fait, il arrivait avec une mentalité, frérot. Différente. Je veux dire, c'était plus la rigolade, la détente. Ouais. Tu vois ? Je me rappelle le premier match de championnat. Parce que moi, j'étais capitaine à Sivas. Il vient me voir, il me dit, il n'y a pas de musique dans le vestiaire. Je lui dis, non, parce que genre entre guillemets, c'est tabou. C'est pas le coach précédent, on peut pas faire ça. Mais il me dit, mais mets la musique. Genre, tu sais, c'était festif, tu vois. Tu fais ce que vous voulez. Tu vois, c'est un peu comme leur pub. C'est un Brésilien, voilà, un peu ça. Exactement. Il est avec une mentalité, frérot, on n'a pas l'habitude en Turquie. Tu vois ?
Même les Turcs, ils sont contents parce que généralement, c'est des cultures qui sont durs, qui sont trucs, tu sais, c'est carré, discipline. Mmh. Alors que lui, il y a une discipline, mais tout en. Mmh. Tu sais, relax. Et ça tout le monde est détendu, frère. Mmh. Tu vois. Et c'est là où je fais une super année. Mmh. Tu vois, où je finis meilleur buteur de Turquie. Ouais, ça c'était. Ouais, c'était ton prime. Ouais. Ouais, c'était mon prime. En Turquie, ouais, c'est mon prime. Mais après, je pense que c'est aussi ça, par rapport à tout ce qui s'est passé avant, ça t'a servi, t'étais bien, et après t'es devenu très bien, ouais. Tu vois. C'est pas, t'étais un peu moyen partout, tu savais déjà que t'avais les qualités, oui, et après, tu vois, t'as bam, 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 et en fait, il fallait juste le mec, il fallait juste la personne au bon moment, exactement. Tu vois. Et prendre confiance en moi. Ouais. Pour nous, surtout les offensifs, c'est trop, trop, trop important. Moi, j'ai vu qu'en fait que... J'ai 25, 26 ans, 27 ans, et vas-y, je commence à m'épanouir, je commence à jouer titulaire, mon corps, il est entre guillemets, il est fini, je suis bien physiquement, tout ce qu'on m'a dit avant, que tu n'allais jamais être pro, c'est pas vrai, tu prends conscience qu'en fait, ça y est, tu peux faire une carrière, tu vois, et j'arrive dans un où je suis vraiment bon dans les clubs où je passe, c'est vrai, j'étais vraiment bon, frère, tu vois, et là, je me dis, voilà, l'objectif maintenant, c'est d'essayer d'accrocher un plus gros contrat et dans un plus gros club, tu vois, et c'est là qu'arrive là, quand tu signes à Fener. À Fener. Fener, non, Fener, ça vient encore après. Parce qu'après, je finis meilleur buteur de Turquie, c'était ma deuxième année en Turquie. Ouais. Mais moi, entre-temps, j'ai renégocié mon contrat et j'ai reprolongé. Juste, ouais, je m'en rappelle, ouais. Tu vois, j'ai reprolongé mon contrat et je me sens bien à Sivas, frère. Ouais. Avec un bon contrat. Ouais, avec un bon contrat. Petit club, pas de stress, je suis capitaine, je suis titulaire tous les matchs. Ma femme, elle se sent de mieux en mieux, tu vois. Parce que la première année, elle était un peu difficile pour elle, tu vois. Et je me sens de mieux en mieux. Et je me dis, vas-y, tu vois, je veux pas partir. Donc il y a plein de clubs qui me veulent quand je finis meilleur buteur. Mais il n'y a pas vraiment d'offres concrètes. Ouais. Tu vois, il n'y a pas d'offres concrètes. Pourquoi tu finis la saison? Parce que c'était en janvier, du coup. Ouais, je finis la saison. Et il me reste encore un an. Et je referai encore un an. C'est ma quatrième année encore à Sivas. Tu vois. Et c'est à ce moment-là, Sivas, dernière année, on descend. On descend, frère. On descend et là c'était dur. C'était dur parce que j'étais bon. Hein. Mais j'étais pas bon au bon moment. C'était le tempo. Ouais. Ouais. Et je te jure, j'avais une de ces pressions sur mes épaules, frère. C'était. En fait, je portais l'équipe. Tout seul. En fait, on était pas mal de joueurs, tu vois. Mais la responsabilité, en fait, j'avais atteint. Ah, mais c'est par rapport à ce que tu as fait aussi. Voilà, exactement. J'avais atteint un statut où, en fait, tous les week-ends, il fallait que je marque. Ouais. Si je marquais pas, en fait, j'étais. C'est ta faute, toi. Tu vois, pour eux, tu connais la mentalité turque. Hein. Si t'es bon, mais tu marques pas, pour eux, t'es pas bon. Ouais. Il faut que tu sois efficace. Et eux, c'est regarde, but et passe-dé. Ouais. Et moi, j'étais bon, mais j'ai eu un trou où je marquais pas, frère. Je marquais pas. Et finalement, c'est revenu. Et en fin d'année, j'ai signé. J'ai signé. J'ai commencé à marquer, mais ça a pas suffi. On est descendu, tu vois. Et là, c'était mon dernier match. Voilà, je pleure sur le terrain. Ouais. Tellement je sais qu'en fait, là, Sivas m'a tout donné. Ouais. T'es pas parti comme tu voulais partir. En voilà, fait. Je voulais pas. Mais en fait, je sais que moi, je veux pas partir de Sivas. Il me reste encore un an de contrat. Mais je sais que les clubs, il va pas vouloir me garder. Il va tout faire pour que je parte, pour me vendre. Ouais. Parce que je suis son meilleur joueur, entre guillemets. Je suis sa valeur marchande. Et ils sont en Ligue 2. Et ils vont pas avoir les moyens de me payer mon salaire. Moi, mon dernier match là, en plus, le dernier match c'est contre Fener. Tu vois, je marque, on fait 2-2. Il fallait gagner pour se maintenir, il fallait que l'autre côté ça perde. Il y avait trop de paramètres. Ouais. Et finalement, on se maintient pas, frère. On descend et ce moment-là, oh là, je suis trop triste. Vraiment, frérot, je sais que c'est peut-être mon dernier match à Sivasspor. Tu vois, c'est eux qui t'ont donné la chance d'avoir ces contrats-là, d'être bien, d'être heureux en plus. Parce que je pense que c'était la période, en tout cas financièrement, plus sportivement, où tu étais plus heureux, je pense. Financièrement et même footballistiquement. Hein. J'étais moi-même. Sportivement, ouais, t'étais. Or que j'étais. Frérot, je dribblais, je perdais le ballon, je redriblais. Tu sentais la confiance des gens en plus. Ouais. Personne ne te disait rien. Personne, frérot, même. Ça n'a pas de prix, ça. Personne. Je te jure, je faisais ce que je voulais, frère. Ouais. Si je voulais mettre un petit pont dans la surface, je tentais un petit pont dans la surface. Ouais. Tu vois, mais là, à ce moment-là, je sais que y a les gros clubs de Turquie vont s'intéresser à moi. Et je sais que si je vais dans ces grands clubs-là, c'est pas pareil. Et c'est là que tu arrives après. C'est cet été-là en plus que tu signes. Ouais, c'est cet été-là.
C'était là, frérot, ils ont trouvé un accord avec Fener et China Fenerbahçe. Mais là, je passe dans un autre monde, frère. C'est là, t'as vu, c'était quoi le... Le haut niveau. C'est, les joueurs à cette époque-là, c'était qui? Enfin, en tout cas, les grands noms. Les grands noms, il y avait Van Persie. Ouais, Van Persie. Van Persie, Simon Kerr, Skrtel, Volkan Demirel, Grégory Van Der Vil. Non, il y avait du monde, frère. Cette année, avec Valbuena, non? Non, Valbuena, il vient après. Lui. Après. Il vient après, Mathieu. Non, il y avait du monde. Moussa So. Ouais, Moussa. Moussa, en plus, lui c'était la légende de Fener, frère. Tu vois, il revient. Et t'as pas senti la pression? Enfin, quand t'es arrivé, tu l'as senti directement la pression? Ouais, il est sorti direct. Ouais, non. Direct. Sur Insta, tu regardes, tu vois direct. Tu signes, tu vois tout de suite sur Insta tous les followers que tu gagnes, frérot. Et là, tu sens que. T'as pas atterri n'importe où. Non, t'as pas atterri. Voilà, c'est le plus grand club de Turquie. Ouais. Tu vois, un des plus grands clubs de Turquie. Et ils ont eu que des stars. Ouais. Moi, je suis une star, entre guillemets. De ce pays. Mais t'es pas une star internationale comme. Exactement, mais eux, ils ont l'habitude d'avoir des Diego, des Nani. Ouais. À ce moment-là, quand j'arrive, eux, ils viennent de partir. Ah ouais. Ces jours-là. Diego, Nani, tu vois. Ils ont des noms. Donc moi, ils disent Atiu Cheychou, ouais, c'est bien. Pour le championnat turc, mais pour Fener, ça va être compliqué, tu vois. Mais j'arrive, frérot. Et... Dans ta tête, tête propre, tête serein, sans pression, pas. Non, pas plus de pression que ça. Ah ouais? Non, pas plus de pression que ça. Franchement, je me dis, vas-y, frère, on va jouer au foot, tu vois. Tu sens qu'il y a de la pression dans le club, tu vois. Tu sens que tu es arrivé dans un autre délire, frère. T'arrives dans un club, dans un vestiaire, il y a beaucoup d'ego là, tu vois. Moi, j'avais pas l'habitude de ça, frère. Des joueurs qui se la racontent, qui te prennent un peu de haut, c'est qui lui, tout ça. C'est qui lui, tu vois. Ils te connaissent même pas en vrai, tu vois ce que je veux dire. Et c'était compliqué au début. Heureusement, il y avait Moussa. Moussa, il m'a. Comme c'était un peu ancien, la star, ouais. C'était un peu la star et tout. Lui, j'étais toujours avec lui, tu vois. Et après, il m'a expliqué, tu vois. À Fener, frérot, quand ça perd. Attention. C'est très, très compliqué, frère. C'est, par exemple, si tu dois comparer par rapport au club français, parce qu'on le voit à travers la télé, moi je joue en Ligue 1, donc je joue contre. Même quand j'étais à Saint-Etienne, pour moi c'était un grand club, parce qu'on avait fait, l'année où j'étais, on avait fini 4e ou 3e. Mais de l'extérieur, toi tu trouves, il y a une différence par exemple, quand tu vois les clubs comme Fenerbahçe, Galatasaray, ou un club comme par rapport à Marseille, Lyon, tous ces grands clubs-là, tu vois. Les clubs où il y a des gros publics, tu vois. Si la pression, tu peux la. Si c'est comparable. En fait, la pression, je pense que c'est la même. Tu penses? Ouais, je pense que c'est la même, mais. Je pense qu'ils sont plus durs en Turquie. Ah, je pense aussi. Tu vois, je pense que c'est la même. Quand tu joues devant 50 000, 60 000 personnes, c'est la même. Les supporters, Marseille ou Fener et tout, c'est des passionnés, c'est des mecs qui sont derrière leur club, tu vois. Mais je pense que peut-être à Marseille ou en France, ils vont être plus patients que certains clubs en Turquie. En Turquie, frérot, ils n'ont pas le temps. Ouais. T'es pas bon, un match, deux matchs, tu perds un ballon, ils te sifflent direct. Direct, toi. Direct. Il n'y a pas de. Et moi, ça m'a surpris au début, frère. Parce que moi, je suis dit, je viens de Sivas, j'ai passé 4 ans. Donc après, tu oses moins faire de choses sur le terrain. En fait, ton football, il change. Ouais. Psychologiquement, en fait, tu dis, si je tente le dribble là et je la perds, bah, le public, il va me siffler. Je vais les joueurs, critiquer. Ils vont commencer à. Ouais, parce qu'après, tu as des joueurs sur le terrain qui font des grands signes, frère. Et t'as pas l'habitude de ça. J'ai pas l'habitude. Et moi, j'ai horreur de ça, frère. Je sais pas si t'es arrivé. Ouais, bien sûr. Combien de fois je me suis embrouillé en entraînement avec ces mecs-là. Parce que j'ai pas l'habitude, tu perds un ballon au truc. Et ça fait des fois. Mais c'était plus les défenseurs, les attaquants quand tu fais. Les défenseurs, ils aiment trop faire ça. Ouais, c'est vrai, c'est les défenseurs. Les défenseurs, ils aiment trop faire ça, frère. Simon Kerr, c'était le roi de ça, frère. C'est le Camille au Milan, là. Ouais, c'est le Camille. Il me rendait fou, frère. Je suis obligé de t'embrouiller avec lui, en fait, pour que. Pour qu'il commence à te respecter. À défaut de pour l'instant, t'as pas encore fait des gros trucs sur le terrain. Si tu leur mets pas la pression, ils vont commencer. Je te jure, moi, à l'entraînement, je te jure, j'ai fait arrêter l'entraînement, frère, à Fener. J'ai pété les plombs, frère. Parce que, tu vois, on faisait un jeu à 5 contre 5, et tu sais, il fait que des trucs, et il fait que de parler. Tu vois, frérot, tu peux jouer où tu veux, frère. Tu restes, on est dans la même équipe, frère. Tu vois, t'es pas supérieur que moi, je suis pas supérieur que toi. Tu vois, et ils me rendaient fou, ces joueurs. Il y en a plein des comme ça, ils font des grands gestes, des trucs. Moi, j'ai horreur de ça. Et ils les font en entraînement, et c'est les mêmes qui vont te les faire en match. Tu vas faire d'un ballon un truc, et ils vont faire. Parce qu'il y a des joueurs comme ça, frérot, qui. Il faut que du cinéma pour les publics, frère. C'est vrai. Moi, j'ai pas l'habitude de ça, frère. Là, c'était un vestiaire, il y avait que de l'ego. C'est que de l'ego. Un vestiaire que de l'ego, frère.
Quand tu passes d'un club familial, c'est ça, ça c'est relou ça. Quand tu passes d'un club familial à un vrai club où tu vois les gens ils commencent à. Parce que aussi il y a plus d'argent, les gens ils ont un plus gros passif, tu vois, par rapport à leur titre. Ils viennent de grands clubs, en plus Fenerbahçe, Marseille et tous ces clubs-là, c'est des gens généralement. Tu vois, c'est comme Alexis Sanchez, il arrive des grands clubs. À mon avis, à Marseille, tu vois, peut-être s'il va dire un truc à un mec, il peut se permettre de. Tu vois, et le petit il va pas trop parler, tu vois. Ouais, bien sûr. Même pas forcément un petit, hein, un autre, un Un mec autre, un peut-être autre, ouais. de. C'est pas la même chose. Ah, c'est. T'arrives là, il y a qui avait. Ouais, tu m'as dit Vanderville, il venait du PSG en plus, non? Ouais, mais tu peux dire. Directement, je Ouais, crois. direct. Direct du PSG. Valbuena, non, il y avait. Bon, il est venu après. Volcan, ouais, que j'ai eu. Non, il y avait quelques noms. Il y avait du monde, frère. Franchement, il y avait du monde. Il y avait German Lenz, Ouais, un German. Hollandais, là. Ouais. Il y avait lui. Non, il y avait pas mal de monde, Ouais. frère. Tu vois? On avait des gros joueurs. C'était une belle équipe, frère. Tu vois? Mais tu connais. Quand t'as des grands joueurs, t'as des. C'est Il y a plus égo. d'égoïsme Ouais. aussi. Et on n'avait pas forcément un coach qui était capable De gérer tout ça. de gérer ça. C'était qui à l'époque là, ce En fait, problème? moi, en fait, quand je signe moi à Fener, c'est Victor Pereira. Ouais. Mais Victor Pereira, il fait la préparation et on a match contre Monaco aller-retour en Non, pas lui. qualification de non, Ligue des Champions. Allez, ouais. En début de saison, tout début de saison, je m'en rappelle. On se fait éliminer. Je m'en rappelle. On gagne à domicile, mais on perd à Monaco. On se fait éliminer. Et quand on se fait éliminer, le président de Fener, il saute le coach. C'est-à-dire, au bout de 2 semaines, un nouveau coach qui arrive. Nouveau coach qui arrive, il ramène Advocate, là. C'est un Ouais. Hollandais. Avec ses cheveux là. Ouais, il arrive, lui, là. Et lui, il arrive. Bah, tu connais. Moi, l'entraîneur qui m'a fait signer, qui me voulait à Fener, il vient de partir. Donc, tu connais. Nouveau coach qui arrive. Je sais que ça va être compliqué Ouais. après. Donc, lui, il arrive. La première semaine qu'il arrive, on joue direct en Europa League, tu vois. Et il met titulaire, tu vois, parce il a pas encore ramené ses joueurs et tout, tu vois, il a pas encore fait. Donc il met titulaire parce que on lui dit que Tchif il est bon, qu'il peut jouer à gauche, donc il met, tu vois. Et il met au bout de 8 minutes, premier match à Fenerbahçe, au stade de Fenerbahçe, je marque. Et comme Sivas, je me dis, wow, Meilleur début. meilleur début possible, tu vois, tout de suite. Je marque à Fener, à domicile, en Europa League. Tu sais, c'est un soulagement, frère. Tu vois? Parce que comme tu dis, j'avais la pression. Je me dis, ça y est, je fais une bonne première mi-temps et tout. À la mi-temps, il me sort. Il y a 1-0 à la mi-temps, il me sort, moi. Je comprends pas, frère. Vas-y. Moi, j'avais pas l'habitude encore de ça, Ah. frère. Tu vois? Vas-y, ok. Je me dis, il me sort. Peut-être pour me faire jouer le week-end. Le week-end, il arrive. Pas titulaire. Je rentre même pas dans le match. Man. Je commence à dire, ouais, c'est pas, y a un truc qui est pas normal là. La semaine avant en Europa League, titulaire, je marque et tout. Et là, je passe de titulaire à ne même pas rentrer dans le match. Le match d'après aussi, je rentre pas. Ouais, ma tête commence à chauffer, frère. Ah, je me dis, ah, ça va être compliqué. En fait, il commence à mettre les joueurs, Qui est que lui, hein, que qui j'ai. lui l'a ramené et que sur qui lui il compte. Ouais, en fait, il compte pas sur moi dès le départ, je le vois, tu vois. Mais je viens de signer à Fener. Et au bout de 2-3 matchs, il me remet. Et quand il me remet, l'équipe a gagné, je marque, ça se passe bien, tu vois. Après, j'enchaîne 2-3 matchs où encore je marque, passe D, tout ça, ça se passe bien. Et dès que je suis en match, je suis un peu moins bien, Il t'enlève il m'enlève direct. direct. Putain. Ouais, je dis, ça commence à me rendre fou, ça, frère. C'est comme si j'aime pas l'injustice, Ouais. frère. Si je suis pas bon, tu Tu me fais manges, pas il n'y a jouer, pas de je te problème. jure. Je suis le premier à dire au coach, je suis pas bon, fais jouer lui, il est meilleur que moi. Mais là, je suis bon, frérot. Et il me fait des dingueries comme ça, frère. Tu vois? Et je suis à Fener. Et tu connais Yanis, t'as été footballeur. Surtout à nos postes. Tu joues pas pendant 3, 4 matchs, 5 matchs, tu perds le rythme. Après, on te met d'un coup encore comme ça, on te dit, vas-y, joue. Mais c'est sûr, tu vas être nul. Et comme je disais tout à l'heure, moi j'ai besoin d'enchaîner les matchs pour être bon. Et dès que j'enchaîne, Surtout les joueurs offensifs, de fou. surtout. Et surtout à Fener, faut. Ça, tu sais qu'à Fener, moi, j'ai pas le droit à l'erreur. Il faut que je sois bon tout le temps. Tout le temps. Tu vois? Donc après, il me remet des matchs où je suis pas bon, où je perds des ballons bêtes, où, tu vois, où je commence à me faire siffler par le public. Tu vois? Tu sentais un peu plus de pression là, c'est là que Ouais, tu commences à. là, je commence à. Mais je sais qu'en fait, je suis dans cette situation malgré moi, frère. Parce que le coach, il me gère mal et il me fait jouer quand, en fait, il a besoin de moi. S'il a pas besoin de moi, il me fait pas jouer, tu vois? Et c'est très dur à ce moment-là.
Et je me fais siffler, moi, frérot, par le public. Et moi, frérot, tu connais, mentalité un peu de gogol, tu vois. C'est après, moi, je réponds, frère, au public. Je réponds, je leur fais des signes, tu vois. Et après, ça, c'est après, pas c'est bon, ça. Là, tu rentres dans un truc où c'est pas bon. Tu commences à te mettre le public à dos, tu vois. Surtout dans les clubs comme ça, où c'est eux, en plus, c'est des clubs populaires. Et ça va, ça se calme un peu, tu vois. Je joue pas trop, après je rentre de temps en temps, je suis bon, je suis pas bon. Ça va, c'est, tu vois, je fais une année un peu comme ça, tu vois. Mais je fais ma première année, je finis à 7 buts quand même, tu vois. Et pour le... J'ai pas très très... T'as pas beaucoup joué... Tu vois, c'est un peu, par rapport à le ratio est bon par rapport à... Ouais. Je mets 7 buts à Fener, première année. C'est pas mal, tu vois. Je me dis, c'est pas trop mal, tu vois. Et après, Advocat, il saute l'année d'après. Il saute et il ramène un coach turc. Tu vois. Et lui, ça se passe. Il a sauté. Il a fait un an complet quand même. Ouais, il a fait un an complet. Ah, ça va. Il a fait un an complet. On finit troisième. Et après, il part. Il part, frérot. Et un entraîneur turc arrive. Avec Utko Djaman. C'était un ancien de Fener. Au final, t'as fait quoi, 2 ans? J'ai fait 2 ans et demi, moi. 2 ans et demi. Après, c'est en janvier. Après, tu repars. Et la deuxième année, c'est là où Moussa, il part. Beaucoup de joueurs, ils partent. Et, mais c'est là où il y a Nabil Djerar, Essien, Valbuena. Il y a pas mal de monde qui arrive. Tu vois. André Ayou. Il y a du monde, tu vois. Après, après le problème, enfin, c'est pas un problème. Enfin, si, plus ou moins. Mais tu vois, c'est surtout ces gros clubs-là. En France, ça se fait moins. Mais ces gros clubs-là, chaque mercato, ils ramènent, putain, 10... 8, 10 joueurs, tu vois, c'est... Mais c'est pas que ces clubs-là, hein. C'est tous les clubs en Turquie. En Turquie, malheureusement, frérot, c'est un pays qui est magnifique. Mais frérot, les clubs, ils sont dirigés par des gens qui des amateurs, frère. C'est qu'en fait, ils dirigent un club comme s'ils dirigeaient une entreprise. Ça veut dire que t'es bon, je te fais signer. Si dans 2 mois, t'es pas bon, eh ben... Tu faut que tu partes et ramène d'autres joueurs. Et c'est pas que les joueurs, les coachs. Moi, j'ai fait des clubs où dans mon club, 5 coachs ont changé dans la même année. comment tu sais pas, c'est pas possible, Yannis. En France, ça arrive pas, ça. Je sais pas, en France, ça arrive. Non, ça arrive pas. Comment tu peux changer 5 fois d'entraîneur? Des entraîneurs, ils ont fait un match, ils le sautent. Et un entraîneur rare qui arrive. Donc, faut que tu te réadaptes à ça. Mais c'est dans tous les clubs de Turquie, ça. Tu vois? Moi, c'est ouf. Tous les clubs de Turquie, c'est comme ça, malheureusement. Tu vois, en fait ils sont pas patients. C'est-à-dire que ça marche pas un mois, deux mois, et ben ils changent le coach. Il y a un nouveau coach qui arrive. Et lui, il arrive, il veut ramener des joueurs à lui. Mais il y a déjà des joueurs qui sont sous contrat. Il faut qu'ils se débarrassent des joueurs qui sont sous contrat. C'est après, c'est une galère. Donc il le pousse à la sortie. Une galère sans fin. Après, en plus, malheureusement, c'est pas les bonnes méthodes. Parce qu'ils veulent se séparer des joueurs alors que les joueurs, ils sont sous contrat. Mais les joueurs, ils disent non, je pars pas, j'ai un contrat. Bah non. Entre guillemets, je veux plus de toi, faut que tu partes. Tu vois, moi je l'ai vécu. Hein. Ça fait mal en plus. Ouais, c'est moi je l'ai vécu en Thalia, frérot, c'est dur. Tu t'entraînes tout seul, ils te mettent à l'écart. Frérot, en fait, ils veulent te faire craquer psychologiquement, tu vois. Il y en a beaucoup qui craquent en plus. Mais ça, en France, on l'a moins. Même si on veut pas de toi et tout, on va te mettre avec la réserve. Comme tu disais tout à l'heure, la réserve, elle est à côté de toi. Elle est pas dans un autre centre d'entraînement, frère. Tu vois. Et t'as des bonnes installations, tu vois. Donc, ouais, pour finir, ouais, après, je suis dit, l'année d'après. Je suis à Fener, et je suis encore à Fener, il y a Mathieu, il y a tout ça qui arrive là, tous ces joueurs-là, ils arrivent. Et on est, je sais pas combien de Français, Slimani, Benzia, André Ayou, et là c'était pas mal du tout. Et après, on en a parlé un petit peu avant par rapport, tu vois, par rapport au championnat français, par rapport à ce qui se passe en France, tu vois. T'as, moi aussi, ça m'a un petit peu gêné, et surtout en plus j'en parle parce que le coach, je le connais, tu vois. L'histoire, par exemple, qu'il y avait eu à Nantes avec le joueur, tu vois, le Ramadan, tout ça et tout, tu vois. Je sais pas, tu vois, en France, je sais pas pourquoi on a ce rapport à... Je sais pas pourquoi on a ce rapport avec la religion, avec tous ces trucs-là, tu vois. Je sais pas. Pourtant, les clubs, ils savent très bien. Avant de faire signer un joueur, c'est très bien qu'il est musulman. Bah ouais. Tu vois. En fait, c'est pas une option, en fait, la religion. C'est toi, tu vois, on en parlait un petit peu plus, enfin un peu moins quand on était plus jeune. Tu vois, par exemple, quand on était au centre de formation. On en parlait pas à la télé de ça. C'est ça, je vous dis ça que je me disais. On en parlait pas. Mais après, on le cachait, nous, à l'époque. Tu vois, moi, je me rappelle, à l'époque de Nancy, on le cachait tous. Les anciens comme les petits jeunes,
Et ben on cachait, on disait qu'on faisait, on dit qu'on faisait pas. Comme si c'était, en fait, on se cachait, frère. Tu vois? Tu te caches de quelque chose qui pour nous est primordial et obligatoire, en fait. Ouais. Le ramadan, c'est pas une option, frère. Bien sûr. C'est, on est obligé de le jeûner. Il y a des circonstances où tu peux ne pas jeûner. Ouais. Par exemple, si t'es en voyage, t'as le droit de pas jeûner. Si t'es malade, mais si t'es pas dans ces conditions-là, tu dois jeûner. Tu vois? Et ça, c'est. Et malheureusement, après, en France, tu connais, hein, ils aiment trop faire des débats inutiles. Ah, parce que ça part loin, en plus. Ouais, ça part loin. Ouais. Ça part loin, mais. Moi, je pense que le problème, frérot, c'est que on l'a trop caché. Ouais. Pendant des années, on l'a trop caché. Et moi, par exemple, quand je suis arrivé en Turquie, moi, je l'ai revendiqué tout de suite, frère. Moi, je jeûne. Je me rappelle, on était deux à jeûner. Parce que moi, quand je suis arrivé en Turquie, je pensais que tout le monde faisait le ramadan. Ouais. Je suis arrivé dans un pays musulman. Mais en fait, tu te rends compte que non. Tu te rends compte que 80% de l'équipe ne jeûne pas. Ouais. Tu vois? Et tu dis, ah ouais, c'est compliqué. Mais là, je me suis dit, par contre, je me suis juré de ne pas le cacher. Ouais. On m'a posé la question, est-ce que tu jeûnes? Oui, je jeûne. Je vais faire mon ramadan. Tu vois? C'est personnel. Ah, c'est personnel. Et là-bas, ils l'ont accepté. Tu vois, ils m'ont pas fait de trucs que tu joueras pas. Ou quoi, tu vois? À Sivas, surtout à Sivas, c'est mes premières années. Moi, j'ai aucun problème. En plus, moi, c'était à cette période-là, frérot. C'était, c'était plus la période de préparation. Ouais, tout ça. Donc, ouais. C'était pas pendant le championnat. Tu vois? Et plus tu avances dans le temps, dans mes années en Turquie, plus ça commençait à tomber. Ouais. Certains jours de championnat, tu vois. Et il y a certains clubs qui te disent ouvertement, même en Turquie. Ah ouais? Tu fais le ramadan, tu joues, je te fais pas jouer. Tu vois? Mais je pense qu'il faut être honnête direct. Bon bah ouais. Tu vois? Le club, après, il fait ce qu'il a envie de faire. Après, tu vois, je pense qu'il y en a, ils se disent ouais. Parce que ça dépend à quel stade tu es, que tu es de ta carrière. Si tu arrives à un stade, par exemple, tu es au début. T'as pas encore gagné d'argent, t'as pas encore fait carrière, t'as pas encore truc. C'est difficile, tu vois, de très dire difficile. Bah vas-y, bah moi je le fais quand même, truc, tu vois. Le club, il peut te mettre à. Bah ouais, il dit tu veux pas, il y en a un autre, tu vois. Ouais. Si t'es quelqu'un d'accompli, t'as déjà fait des trucs et tout, c'est un peu truc. C'est pour ça que je comprends trop les jeunes, aujourd'hui, entre guillemets. Je les comprends dans le sens où c'est trop difficile pour eux, c'est un choix qui est trop difficile. Ouais. Tu veux pas dire. Plus qu'avant. Quand t'as 35 ans et que t'as toute ta carrière, elle est finie, tu peux dire ouais, moi je jeûne, tu vas faire quoi? Quand t'as 20 ans, frère, 19 ans, tu vois, c'est compliqué. Mais comme je disais tout à l'heure, frérot, c'est parce qu'on l'a trop caché, tu vois. Et j'espère qu'avec le temps, là, la nouvelle génération ne cachera plus qu'il fait le ramadan. Quand t'as 5-6 joueurs de confession musulmane, eh ben, il faut que les anciens des clubs disent non, moi déjà je fais le ramadan. Mais si déjà l'ancien qui est intouchable au club, il se cache, bah, le jeune qui a 20 ans, frérot, il est obligé de se cacher, frère. Tu vois, parce qu'ils vont dire, bah, regarde, lui, il le cache, obligé de le cacher. Si le mec, il est. C'est trop compliqué, frère. C'est pour ça qu'avec le temps, j'espère. Mais après, en France, c'est des gars, parce que quand il y a des trucs comme ça, il y a surtout les politiques qui commencent à s'en mêler. Il y a plein de gens qui commencent à s'en mêler. Ouais, bon, ça va trop loin. Tu vois, ça va trop donc loin. Le petit il va se dire ouais, peut-être je vais être dans un truc, dans une salade, est-ce que je pourrais maîtriser? Je suis en train de construire ma carrière, je sais même pas si. Tu vois? Parce que ça peut arrêter des carrières. Mais bien sûr. Ça arrête des carrières. Mais bien sûr. Attention. Et ça dépend parce que même le petit, s'il est en place vraiment dans le club, il peut peut-être se permettre de dire vas-y, je le fais. Voilà. Mais si c'est un petit déjà qui est jeune, qui tu vois, avec la mentalité française, bon, t'es jeune, tu restes à ta place et tout. Et qu'en plus, tu revendiques, tu dis bah moi je vais faire ça. Il a. Il se tire une balle dans le pied. Tu vois. On va pas se mentir, en France, il se tire une balle dans le pied. Tu vois. Et tu penses, c'est pour ça, je me posais la question la dernière fois. Tu vois, je sais pas si t'as remarqué, maintenant, il y a beaucoup de binationaux. Tu vois, qui vaut beaucoup, par exemple, on va prendre Algérie, Maroc, Sénégal ou tous ces pays-là, tu vois, où il y a beaucoup, une grosse communauté en France. Tu vois, maintenant, ils vont plus. Par exemple, il y a Maroc-France, ils vont directement choisir le Maroc. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Avant, c'était plus. L'équipe de France, vas-y, je veux truc, je vais aller avec les jeunes, et il y a truc. Mais je pense que c'est un petit peu. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est un peu par rapport à ça aussi. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais ouais, ça en fait partie. Mais aussi la nouvelle génération d'entraîneurs qu'il y a eu, là. Par exemple, au Maroc, au Sénégal. Ou par exemple en Algérie, c'est ces jeunes coachs là qui Belmadi, Aliou Cissé, Regragui au Maroc, ben c'est des coachs qui ont arrêté il n'y a pas très longtemps, qui ont une autre mentalité, tu vois ce que je veux dire. Donc ils sont beaucoup plus proches des joueurs. Et aujourd'hui aussi, on va pas se mentir, il y a beaucoup de joueurs qu'on leur a fait croire ou penser qu'ils allaient jouer en équipe de France. Ils ont fait une sélection, on les a plus jamais revus, tu vois. Et après, tu peux pas rejouer avec un autre pays, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, les joueurs, maintenant, ils se disent,
en France, c'est compliqué en fait de jouer en équipe de France. On va pas se mentir, c'est beaucoup plus compliqué que de jouer en Maroc. Mais tu penses qu'il y en a, ils se disent ça, ils se disent j'y vais parce que c'est impossible, ou il y en a, ils se disent bon, j'y vais parce que c'est vraiment ce que j'ai envie. Parce que moi, c'est pour ça, ça me dérange par contre, tu vois. Moi, je veux être très dur entraînement. Si, moi, je pense que si ils ont le choix de jouer en équipe de France et en Algérie, ils iront en équipe de France ou au Maroc. Ouais. Ils iront en équipe de France. S'ils sont sûrs de jouer en équipe de France. Ouais. Mais puisqu'ils sont pas sûrs et puisque c'est compliqué, ils disent bah vas-y, je préfère aller au moins je fais une carrière en internationale mais dans mon pays d'origine, tu vois. Mais il y a très peu de joueurs qui se disent vas-y, je vais dans moi je vais jouer pour mon pays. Ce truc. Tu vois ce que je veux dire? Et on va pas se mentir frérot, c'est réel. Faut pas s'inventer de tu vois. Il y a beaucoup de joueurs qui vont jouer pour ces équipes nationaux comme l'Algérie, le Maroc ou le Sénégal ou le Mali ou ce que tu veux parce que ils savent que ça va être compliqué en France, tu vois. Mais c'est un choix qui est difficile. Hein. Ouais, bien sûr. Je te jure, c'est pas un choix facile. Hein, parce que y en a surtout sur les dernières saisons, j'en ai vu, tu vois, contre qui j'ai joué, que je connais. Mais moi, parce qu'ils disent la raison, c'est parce que moi, ça vient vraiment du cœur. Mais t'as tenté d'aller, tu vois, c'était compliqué. Et après, tu dis que, tu vois, moi, ça me. Moi, je pense que certains, mais vraiment, majorité des joueurs. C'est pour le cœur. Mais je pense que les autres, c'est aussi pas se dire que c'est compliqué en France. C'est plus compliqué d'intégrer l'équipe de France, d'intégrer les pays africains, on va dire. Et que aussi, il y a beaucoup de joueurs qui se sont fait avoir. Ouais. Tu vois, qu'on fait une sélection en équipe de France. On les a dragués, Et après, plus de sélection. Les mecs, ils sont bloqués. Ouais. Après, ils peuvent plus rejouer pour leur pays. Tu vois. Mais c'est bien, les mentalités changent, frérot. Là, je sais que dans le futur. Il y a beaucoup plus de jeunes aujourd'hui qui vont signer pour qui vont jouer pour le Maroc. Ouais, mais je le vois là, c'est il y en a beaucoup plus. Et encore de plus en plus. Ouais. C'est pour ça que regarde le Maroc aujourd'hui comment ils sont. Ouais. Surtout depuis la vague là, ils ont fait deux fois la Coupe du Monde. Ça y est maintenant, ça y est frérot. Maintenant et aujourd'hui les installations, les coachs qu'il y a au Maroc, eh ben donnent envie frère. Ouais. Tu vois, au Maroc en Afrique je te parle, ça donne envie frérot d'y aller. Avant c'était tu vois. Ah, le bled, tu vois. Ouais, c'est ça, je vais faire la canne, du truc, ça relou, ces trucs. Alors que maintenant, non. Tu fais des cannes où il y a des. C'est des vies. Après, il y a encore des trucs à faire, je pense. Non, bien sûr, les installations, bien sûr. Mais ça évolue, frère. Ouais. L'Afrique, elle évolue. Et dans 10 piges, tu verras que ces pays-là, là, Sénégal, Maroc, Algérie. Frérot, le nombre de joueurs maintenant qu'il y a dans les grands clubs. Tu verras, frérot, dans 10 piges, on n'aura rien envie aux équipes européennes, frère. Tu verras. Regarde le Maroc, la Coupe du Monde qu'ils ont fait. Ouais. Parce que regarde, quand tu regardais avant les grosses têtes d'affiche des pays africains, les grosses têtes d'affiche, ils étaient dans des bons clubs. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Tu avais Eto'o, tu avais tous ces joueurs-là, Keita, Drogba. Ouais. Mais tu n'en avais pas beaucoup dans des têtes d'affiche dans des gros clubs. Comme Mohamed Salah, Sadio Mané, là, tu en as trop, tu vois. Mahrez, tu vois. Donc c'est différent maintenant. Dans chaque pays, tu as une resta, frérot, qui joue dans un top pays, dans un top club européen, tu vois. Et vas-y, avec tu verras, ça évolue frérot, tu verras dans quelques années frérot, l'Afrique, je pense, dans les Coupes du Monde seront vraiment... Parce que là, ouais, c'est vrai qu'il manque encore un petit... Ouais. Mais commence à évoluer déjà, c'est très très bien, tu vois. Et je te dis, avec la nouvelle génération de coachs qui arrivent, ils font beaucoup de bien frère. Je te jure qu'ils font beaucoup de bien au football africain. Tu as encore des rapports avec les gens du Maroc, comme on en avait parlé tout à l'heure. Moi, certains joueurs, ouais, certains joueurs, ouais. Mais des anciens qui sont plus forcément dans le... Dans le staff ou dans l'équipe, tu vois. En plus, il y avait une belle génération aussi, vous. Ouais, on avait une belle génération. Ouais, une belle génération. On avait une belle génération. Mais nous, à l'époque, on devait faire la CAN. Il y a eu Ebola, là. Ah oui. Au Maroc, donc ça avait été annulé. Et moi, j'avais joué un peu en sélection. Et la période où je devais peut-être prendre le train et peut-être faire la Coupe du Monde 2018, ben, c'était Hervé Renard à l'époque. Il m'avait appelé une sélection. Et après, il m'avait pas rappelé, tu vois. Après, il avait trouvé son noyau, son équipe. Même quand j'étais bon à Fener et tout, il ne m'appelait pas. Après, c'est comme ça, frérot, des fois. Mais je suis très fier d'avoir porté les maillots du Maroc. Ça, c'est une certitude, tu vois. Mais j'étais toujours en contact avec des joueurs, tu vois. Les Mehdi Benassia. Ah, Mehdi, c'est la famille. Tu vois. Après, Mehdi, pareil, Mehdi bonhomme, parce que, tu vois, enfin, il viendra, mais... Lui, j'en parlais une fois de ça, tu vois. Je disais, mais est-ce qu'il y en a, ils disent, ouais, j'y vais parce que c'est le cœur. Et il me disait, moi, je refuse ça. Si tu viens, c'est pas parce qu'on t'a refusé. Tu vois, on n'est pas des. Tu vois, on t'a pas refusé. T'as refusé, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais il me dit, c'est pour ça. Il me dit, tu verras, Yanis, que voilà, regarde ce qui se passe actuellement. Il me dit, parce que,
En fait, les gens, ils ont compris que je viens, c'est le premier choix. Il me dit Hakim Ziyech, il avait le choix entre la Hollande et trucs. Ouais. Il vient avec. Avec le Maroc. Tu vois ouais. C'est non négociable, c'est pas. Tu vois mais ils sont très peu à penser comme Hakim Ziyech. Tu vois la plupart, malheureusement, ils attendent de voir et ils voient que la France, c'est compliqué. Vas-y, ok, je vais en Afrique. Ouais. Tu vois. Mais très peu de joueurs disent non, moi, quoi que même tu me ramènes le Brésil, je vais jouer pour mon pays. Tu vois, pour mon pays d'origine. Ouais. Tu vois, parce que même la France, c'est notre pays, tu vois, mais pour mon pays d'origine, tu vois. En plus, maintenant, on le voit, maintenant, il y a beaucoup de Français qui le font, les Français. Il y a beaucoup de gens, tu vois, des équipes nationales ici en France qui disent, ouais, il a pris ça, il nous a pris par plus ou moins, enfin, ils y vont là-bas par défaut, c'est parce qu'on les a pas pris. On va pas se dire de non, mais on les a pas pris, donc truc, et maintenant ils disent, bon, moi, c'est le cœur. Voilà, tu vois. Moi, c'est juste ça qui me. Après, tu sauras jamais vraiment l'intention du joueur, vraiment s'il était sincère ou pas, tu vois. C'est compliqué à jauger. Après, c'est le sélectionneur, il sélectionne et il fait son équipe, tu vois. Mais c'est compliqué à dire vraiment ce que le joueur il vient pour quoi, tu vois. Mais je pense que ça va évoluer et je pense que le football africain, Inch'Allah, il va être de mieux en mieux. Et de année en année, on va être. En plus, maintenant, il y a des gros centres au Maroc. Ouais, des gros centres, il y a des gros centres. Je crois, une fois, j'étais tombé, j'avais vu le centre de l'équipe nationale, je crois. Je crois il est tout neuf. Au Maroc ? Ouais, non, ils ont des vraies installations au Maroc. Franchement, la Fédération marocaine de football avait des vraies installations, franchement. Et là, franchement, je vais te dire un truc, Yanis. La Coupe du Monde du Maroc, là, qu'ils ont fait, frérot, ça a déclenché beaucoup. Ça a déclenché beaucoup de choses, mais pas qu'au Maroc, en Afrique, frère. Ouais. Ils ont fait vibrer tout un continent, frère, on va pas se mentir, tu vois. Même si t'étais pas marocain, t'étais pour le Maroc. Moi, j'ai des copains. C'était vraiment demi-finale de Coupe du Monde, frérot, contre la France, tu vois. Ouais. C'est quelque chose, frérot, tu vois. Le parcours, en plus, ils ont éliminé des vrais clubs, des vrais pays, tu vois. Ils ont pas éliminé. Ils ont, tu vois. Et ça a donné l'espoir que le football africain a un potentiel et que le football africain, dans quelques années, tu verras, on sera costaud, tu vois, en sachant que l'Algérie a pas fait la Coupe du Monde, alors que l'Algérie a une vraie équipe aussi, tu vois. Le Sénégal, il l'a fait, c'est compliqué un petit peu. C'était pas plus compliqué, mais là, la prochaine Coupe du Monde, je crois qu'il y a plus d'équipes africaines qui vont participer. Donc déjà, c'est bien, frérot, parce que déjà, frérot, pour se qualifier, juste pour se qualifier pour la Coupe du Monde, il y a que 5 équipes, frère. Il y a je sais pas combien de pays en Afrique. Comment c'est dur, c'est-à-dire qu'en vrai, t'es obligé de te priver d'un soit du Cameroun, soit de la Côte d'Ivoire, soit de l'Algérie, soit du Maroc. Tu vois, t'es obligé de te priver d'une nation qui est costaud quand même, tu vois. Mais là, je crois qu'on va passer à 9. Frérot, ça veut dire que t'as plus de chance déjà. Tu vois, au lieu de faire un parcours, le Maroc, il a fait ce parcours-là. Peut-être qu'il y aura l'Algérie ou l'Égypte ou le Mali, tu vois. Ça va faire du bien au football africain, frère. Ah non, franchement, c'est bien. Et on en parlait tout à l'heure aussi un petit peu, tu vois, les mentalités des petits. Nous, par exemple, à notre époque, j'en parlais. On en parlait tout à l'heure. Quand tu vois, quand on commençait, moi je kiffais. Enfin, c'était la passion. Je te jure, je connaissais quasiment tous les joueurs, moi. Mais j'ai l'impression que les petits, ils ont plus le même. Plus la même dalle, plus le même rapport. J'ai la dernière fois, il y a un petit, je lui dis, ouais, c'est qui l'entraîneur ou le coach d'un grand club. Je sais plus, le Bayern, un truc comme ça. Il dit, je connais pas ça, moi. Mais je connais par cœur la dernière musique de. Tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire. La dernière voiture qui est sortie. Voilà, tu vois. T'as ça que lui vit. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est ça. Oh, bah, c'est... Ah, frérot. Les générations, elles ont changé, frère. Tu vois, moi, je pense que. En fait, j'aurais pas aimé être dans cette génération. Tu vois, moi, notre génération, il y a 10 ans, 15 ans, c'était. Il n'y a pas les réseaux sociaux, frère. Tu vois, les réseaux sociaux, ça a fait beaucoup de mal. Tu vois, c'est un fléau, frérot. Tu vois, on n'avait pas ça, nous. Et nous, à l'époque, comme tu dis, on voulait être pro, même. On voulait être pro, même pas pour l'argent, frère. Grave. Tu vois, pareil. Je voulais être pro parce que je n'avais que jouer au foot. Et je voulais être professionnel de football, en faire mon métier. Tu vois, mais je pensais pas à gagner des millions, moi, tu vois, je voulais pas. Aujourd'hui, les générations, elles ont changé, frère. Aujourd'hui, frérot, quand t'entends le salaire Et puis les salaires, c'était pas écrit sur les journaux, il y avait pas. Tu vois ce que je veux dire, il y avait pas tout ça. Mais on a jamais. Moi, j'ai jamais su Zidane toucher combien, moi. Bah ouais. Jamais. Tu vois. Mais même c'était pas des salaires qu'il y a aujourd'hui, frérot. Bah ouais. Zidane, à l'époque, il touchait pas ce que le Neymar touche aujourd'hui. Bien sûr. Ou que Messi touche aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, on sort des chiffres, frère. Ça fait tourner la tête des gamins. Ouais. Mais c'est pas tourner la tête que des gamins, les parents. C'est-à-dire que les parents, après, ils mettent une pression au gamin, frère, carrément, pour qu'il devienne professionnel. Tu sais, ils lui mettent une pression. Tu vois, le joueur, peut-être que le gamin, il veut pas faire de football, frère. Il le fait juste pour s'amuser. Voilà. Et lui, et après, malheureusement, le joueur, il va lâcher. Il va dire, ah, ça m'a saoulé le foot. Trop de pression, frère. Et en fait, il y a de la pression dès maintenant, frère. Tu vois.
Après, je pense qu'il y a la consommation aussi. Je ne sais pas si tu te rappelles à notre époque, il y avait quoi pour regarder le foot? T'avais la Ligue des Champions sur TF1, ouais, t'avais tout ça, et puis ils avaient jour de foot, t'avais l'équipe du dimanche, ouais, et puis c'est tout. Ouais, moi, je me rappelle l'équipe du dimanche, je me rappelle comment on avait l'école, c'était le dimanche, ouais, c'était le dimanche soir, je devais me cacher comme ça, tu vois, pour regarder. Aujourd'hui, il y a RMC, il y a Amazon, il y a tout ça, tu vois. Tout ça, avec des reportages. Il n'y a que des reportages, ça, tu vois. Il y a aussi ça, tu vois. La nouvelle génération, et même la nouvelle génération, frérot. Moi, j'ai peur pour elle, dans le sens où, tu vois, nous, toutes nos galères, Yanis, elles nous ont fait. Ouais. Prendre conscience de plein de choses. Mmh. Aujourd'hui, on est père de famille, on est. Mais tu vois, moi, je sais c'est quoi la valeur de l'argent, frère. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, tout mon parcours que je vous expliquais depuis tout à l'heure, je sais par où je suis passé, ouais, pour arriver à gagner l'argent, ouais, gagné de ma vie et d'être bien financièrement. Mmh. Tu vois. Mais quand j'ai gagné même j'ai gagné des gros sous, entre ouais, guillemets. Si, si, des gros sous. Ouais, voilà, des gros sous. Et ben, j'ai pas oublié, frérot, les années ouais, où, tu vois. Mais aujourd'hui, quand t'as 18 ans, 19 ans, 17 ans, et tu touches certaines sommes, frérot, ça fait tourner la tête aussi, frère. Ouais. Attention, il y a des jeunes qui aujourd'hui qui prennent des je sais pas combien. Frérot, c'est compliqué. C'est dur. Parce que le problème en plus de ça, c'est quoi? C'est que, comme je le disais, le football, c'est un milieu populaire. Ça veut dire qu'on vient tous plus ou moins des mêmes endroits. Ouais, ces endroits-là, c'est pas les endroits, tu vois. Je stigmatise pas, tu vois, mais on parle pas du tennis, on parle pas du golf, on parle pas de la F1. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des sports pour nous. Le football, c'est parce que, tu vois, on était en bas, allez-y en bas, les petits les trucs, voilà, tu vois. Et là, tu vois, je me dis, c'est aussi parce qu'on vient de ces milieux-là, les gens qui sont autour de nous, c'est des gens, c'est pas les gens qui sont autour des gens du golf, du tennis et tout ça, tu vois. Donc les gens qui sont autour de ces petits-là, c'est qu'ils se disent, moi, j'ai pas accès à ça, donc je vais traîner avec lui parce que. Ah ouais, ouais, c'est par intérêt, par truc, parce que. Et même, c'est malsain, frère. Hein, c'est malsain. Hein. Aujourd'hui, moi, je te jure, j'ai la chance d'avoir été bien entouré, frère. Franchement, j'ai grandi dans un quartier, frérot, magnifique. Mmh. On a toujours une bonne mentalité, que ce soit les petits de mon âge, avec qui tout se passe bien, frérot. Il n'y a jamais eu de haine, ou de haine ou quoi que ce soit. Mmh. Et les grandes chez moi. Moi, les grandes chez moi, elles étaient. Il n'y a jamais eu de. Jamais, frère. Au contraire, elles m'ont protégé, frère. Mmh. Parce que là, on le voit, il y a plein d'histoires avec les Pogba, les Kanté, et encore, j'en passe, tu vois, il y en a plein Mais attention, moi, si t'es pas bien protégé, je te jure, ça peut t'arriver, ce genre de gars. Ouais, ouais. Parce que si t'as pas du monde autour de toi, ouais, moi, ils ont essayé. Hein. Ouais. Moi, je te jure, ils ont essayé de, entre guillemets, ouais, mais puisque j'avais des gens, des grandes chez moi, qui sont vite intervenus, ils ont vite arrêté le truc, sinon, frérot... Ça peut arriver à tout le monde, Ça arrive à tout le monde, le chantage, le truc. Ouais. Aujourd'hui, c'est de l'argent facile, frère. Ouais. Tu vois. Et ça existe, hein. Faut pas croire que ça existe pas, frérot. Tu vois, parce que c'est un. Mais moi, j'ai la chance, j'ai toujours eu mes frères autour de moi. Et mes amis d'enfance, c'est toujours les mêmes aujourd'hui. Et les grandes chez moi, elles ont aucun intérêt. C'est juste, vas-y, j'étais. Parce que je t'aime beaucoup. Parce qu'ils m'aimaient bien, parce que j'étais une famille respectable et tout. Et ils m'ont toujours protégé, tu vois. Donc moi, quand j'avais des histoires et tout, ils l'ont réglé très rapidement. Et depuis, grâce à Dieu, j'ai plus eu aucune histoire ou quoi que ce soit. Mais ça c'est difficile. Hein. Trop difficile, frère. C'était pas ouais. T'as pas du monde autour de toi. Ouais. Le foot, on le voit avec plein de joueurs, mais pour moi, en tout cas, c'est des critères qui sont trop importants, frère. Trop important, frère. En tout cas, pour jouer bien, pour bien jouer. L'entourage. Pour bien jouer, tu vois. Il faut avoir un équipe, frère. Une équipe familiale, des bons amis, des amis Je les vois, des petits. Même des amis qui peuvent te dire, ouais, t'étais nul ce match-là. Ouais. T'es pas que, ouais, non, ouais. T'étais bon, t'étais super bon. Tu vois, non, c'est pas un ami. Ouais. Tu sais très bien que t'as été nul. Ouais. Tu te dis, ouais, oh non, c'est bien. Franchement, t'as été le meilleur. C'est pas vrai. Ouais. T'en as besoin des amis d'enfance qui te charrient. Ouais. Vraiment, t'as été éclaté aujourd'hui. Même en rigolant, en rigolant. Ouais. Mais tu vois, il y a une part de sincérité. Et voilà. Et c'est ça que t'as besoin. Ouais. Tu vois. Mais ça, tu vas le trouver avec tes amis d'enfance. Mmh. Les nouveaux amis là, que t'as pu avoir, ils te le diront pas, ça. Parce qu'ils vont pas vouloir te froisser. Ils vont dire, non, t'as été bon. Non, franchement, t'as été bon. Non. J'étais nul. Non. Tu vois? Ah, mais c'est vrai que leur rapport à l'argent aussi, on en parlait tout à l'heure, mais leur rapport à l'argent, les petits, c'est. Quand tu vois les. On en parlait, les jets, les trucs, les. Ah, moi, frérot, je vois des trucs, frérot, je te jure, Anis. Je me dis, comment ils font? Je te jure. Non, mais frère, je te jure, faut dire qu'une carrière de footballeur, elle s'arrête à 35, 36, 37 ans. Mais il y a des carrières, frérot, où les mecs, ils signent 2 ans. Et au bout de ces 2 ans, ils re-signent plus jamais pro. Ouais. Ouais, aujourd'hui, comment c'est dur de signer pro? C'est très dur. Yanis, frérot, aujourd'hui, le marché footballistique, quand tu trouves un club, c'est plus comme avant. Bah, c'est très compliqué de signer pro.
Donc je vois des joueurs qui ont... Et de durée, bro. Ouais, qui ont 23, 24 ans. Et je les vois, je te jure, en mode montre, ouais, voiture, business class, ouais, sac, tout ça. Moi, je sais que... Ouais. Moi, mon frérot, je sais que tu gagnes pas énormément d'argent, tu vois. Et je sais que tu n'as rien à gauche. Mais si tu... ils font pas attention, frérot, cette génération, les pauvres, j'ai peur pour eux. Voilà, j'ai peur pour eux. Mais tu penses que c'est influencé par quoi? Peut-être parce que le... Je sais pas, je vois. Non, parce que paraître. Parce qu'aujourd'hui, frérot, tu vis dans une société où il faut montrer. Ouais. Faut montrer que j'ai une belle voiture, faut montrer que je voyage, que je suis en jet, que je suis en... Mais frérot, la vraie vie, c'est pas ça, frère. Ouais. La vraie vie, frère, c'est... Prends ce qu'il y a à prendre. Ouais. Fais-toi plaisir, bien sûr. Voyage et tout. Tu vois? Mais aujourd'hui, tout se snap, frère. Ouais. Les gens, ils se snap, ils veulent montrer, en fait. Ouais. T'es dans le... Tu veux montrer? C'est notre génération. Peut-être qu'il y a ça dans les clubs, je sais pas, tu vois, je me suis pas renseigné, mais tu vois, des cellules par rapport à ça, par rapport, tu vois, parce que ils se disent quoi, les petits? Ils se disent, ah, oh, le pro, il a ça, bah moi, je veux ça, je veux ci, je veux ça. C'est normal un petit peu, mais tu vois. Normal, ouais. Je veux leur ressembler, je veux leur truc, tu vois. Mais il n'y a pas de structure pour dire non, attention, parce que. Joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Plus maintenant. Ouais. Tu vois? Il y a les réseaux, il y a les trucs, je le vois, c'est normal, tu vois. T'as des joueurs comme Benzema, ça et tout, mais c'est normal, c'est son mode de vie, c'est son truc, et puis il a l'argent pour le faire, il y a plein de critères qui rentrent en compte, il a des titres, en fait, moi, je le vois plus comme un aboutissement, ce qu'il fait, vois. C'est, voilà, j'ai pu accéder à ça, j'ai pu gagner des titres, j'ai pu faire des trucs, voilà, je fais ça. Et les petits, ils ont tous pris cette vague-là, mais c'est pas tout le monde qui a, tu vois. Mais frérot, là, on parle d'une minorité, ça veut dire que les frérots... C'est un pourcentage minime, les Benzema, les Neymar, les gros sous que tu vois là, frère. Ça, c'est une minorité de footballeurs qui prennent ça dans le monde, on va pas se mentir. Ouais. La plupart, c'est correct, tu vois. Mais si tu fais pas attention, après ta carrière, t'es mort dans le film. Mais là, il y a 50% des joueurs professionnels, frérot, ils gagnent de l'argent, certes, mais ils gagnent pas des centaines de milliers d'euros, frère. Il y en a, ils sont à 10 000 euros, 15 000 euros brut, frère. 20 000 euros brut, tu vois. Et tu peux pas avoir la même vie que Benzema ou que Neymar, c'est impossible, tu vois. Donc il faut vraiment vraiment que la génération fasse attention, frère, ça va très très vite. Bon, Atif, merci frérot, merci d'avoir raconté déjà ton parcours. De rien, frère. Je pense que ça va aider beaucoup de gens, parce que comme je t'ai dit, bon bah, moi c'est la famille, donc voilà, mais c'est un parcours pour moi qui veut dire énormément de choses pour les petits déjà. Bien sûr, Le début, le milieu, mais aussi beaucoup la fin. J'espère que ça va aider. Et putain, j'espère qu'on va avoir encore des invités comme toi, tu vois, avec des parcours extraordinaires comme ça. Ouais, franchement, ça m'a fait plaisir. Et puis, comme je l'ai dit, moi, parler entre amis, pour moi, c'est l'une des meilleures choses, tu vois. C'est... L'humain, pour moi, ça a la plus grande importance, plus que pas mal de choses, tu vois. Ouais, exactement, je suis d'accord avec toi. Et franchement, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec toi, de discuter. Comme si c'était dans mon salon, frère. Mais c'est ça le thème ici. Non, bien sûr, c'est ça. C'est sans retour, sans rien, et te dire ce qu'on a envie de dire, tu Exactement. Vois. Non, c'était très bien. Merci à toi, frère. Merci à Tiff. Merci, mon frère. Plaisir, mon frère.